Alors bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième live de partie classique, on va étudier ensemble une partie du 20e siècle. Je suis désolé, j'ai complètement raté l'heure. Heureusement que mon élève Samir, qui attendait le live, m'a téléphoné pour me prévenir. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses sur le feu, et je suis pas encore très habitué au... à l'horaire du samedi soir, puisque c'est seulement la troisième fois qu'on le fait. Et euh, en attendant d'être bien habitué, il faudra que je mette une alarme pour euh, assurer le coup. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme euh, et que vous êtes motivés pour cette soirée. Bah, ceux qui étaient là euh, avant même que ça soit lancé, c'est les plus motivés. Hein. Donc, euh, bonsoir à tous. Salut à tous ceux qui sont déjà sur le chat. Et euh, j'ai mangé un morceau en vitesse et j'ai attrapé un thé. Et je pense qu'on est déjà bien installés. Pour se lancer. Je rappelle qu'on étudie des parties que j'ai pas forcément étudiées à l'avance. Et merci beaucoup à Pascal pour l'info qu'il m'a donnée sur des magazines qui ont été mis en libre accès. C'est des magazines américains, avec des commentaires de parties par Max Heuve. Donc très probablement que je piocherai dedans à partir de la semaine prochaine, notamment. Voilà. Je m'étais dit que ce serait pour ce soir, mais. Un moment, comme ça m'est sorti de la tête, je n'ai pas préparé, donc ce sera pour la prochaine fois. Donc ce qu'on qu va faire, alors la première fois, on avait utilisé le livre de David Bronstein, euh, L'Art du combat aux échecs, <coughs> Tournoi des candidats 1953. La semaine dernière, je vous ai montré comment vous pouvez piocher vous-même dans les parties du jour euh, Chess Games. Et puis euh, ce soir. Je vais choisir une partie de championnat du monde. Alors je vais faire un plouf-plouf aussi. Hein. On va faire comme à l'habitude. Je vais vous montrer ma page de championnat du monde. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion pour vous de la découvrir ou de la redécouvrir. Idéal pour, pour piocher des parties classiques de l'histoire des échecs. Parce qu'on sait que le championnat du monde, c'était toujours, toujours des moments forts. Et les joueurs se préparaient souvent pendant plusieurs mois. Donc la qualité de jeu était souvent élevée, même si l'enjeu euh, étant tellement grand, le titre de champion du monde, parfois les joueurs pouvaient être aussi euh, stressés, euh, crispés, euh, voire euh, un peu trop prudents, pas, euh, un peu tendus par l'enjeu. On l'a vu un petit peu d'ailleurs dans des championnats du monde du 21e siècle, avec Manus Carlsen et ses adversaires, avec des, du jeu très très solide. Euh, C'était aussi le cas par le passé bien sûr. Euh, et, euh, et on va pas piocher une, une, voilà, une partie nulle, on va prendre une partie décisive, une victoire. Alors, je vois plus de commentaires sur le chat pour l'instant. Ah ça y est. Bonsoir Lucie et merci d'être là. Alors combien il me reste de batterie Ah oui, pas beaucoup, donc je vais assurer le coup. Je vais tout de suite prendre le chargeur et puis ça laissera à ceux qui ont reçu la notif euh, sur le coup de 20h25 là, quand j'ai lancé le, le live. Euh, avec les cinq minutes d'attente de rejoindre. J'espère que vous êtes tous bien installés. Vous savez qu'en général, quand on étudie une partie, ça peut prendre entre trois quarts d'heure et une heure et quart, voire plus. Euh, et bonsoir à Nicolas qui est sur le chat. Et installez-vous bien, car on va commencer dans, dans très peu de temps. Je vous montre juste euh, la page euh, des champions du monde. Ma page, elle est où Elle est là. Voilà. Donc je vous mettrai le lien. Dans la description, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver assez facilement euh, en cliquant sur un des liens de la description euh, sur mon site, euh, sur mon parcours euh, par exemple, ou mes masterclass, et après vous revenez sur le parcours, je pense que c'est possible aussi. Et, euh, et ensuite, à un endroit vous avez euh, la page des champions du monde. Et vous tombez là-dessus. Euh, donc, il y a les championnats du monde officiels de 1800. 86 à 2021. D'ailleurs, en 2023, année de championnat du monde, et dans un mois, à peu près, je n'ai pas la date exacte en tête, il va y avoir un championnat du monde un peu spécial. Puisque j'ai envie de dire, euh, comme à l'époque de la scission, et euh, pratiquement pour la première fois de l'histoire, il va y avoir euh, un championnat du monde où le meilleur joueur du monde euh, n'est pas représenté. Enfin, pour la première fois, on peut discuter, mais en tout cas, c'est vrai que ça va être très spécial que Magnus Carlsen ne joue pas. Dignerène contre Yann Epomnashi. Euh, donc, vous avez des liens aussi pour creuser la question ici. Euh, les champions du monde officieux avant 1886. La liste des championnats du monde. J'en ai listé 48. J'ai parlé de la séparation de Kasparov avec Lafitte en 1993. De la réunification avec Kramnik en 2006-2008. Voilà, j'ai expliqué les championnats, du... J'ai mentionné plutôt les championnats du monde de FIDICI et puis j'ai expliqué lui, cette histoire de parenthèse historique et que moi je me suis, euh, j'ai décidé de garder la ligne avec Kasparov, Kramnik. Voilà, parce qu'il faisait des matchs et tant qu'on n'a pas plus champion du monde, normalement, on n'est pas champion du monde. C'est pour ça que ça va faire bizarre pour le nouveau champion du monde 2023, Ding Liren ou Yann Nepomachik, car ils n'auront pas, que ce soit l'un ou l'autre, il n'aura pas battu Magnus Carlsen toujours un peu spécial de devenir champion du monde sans battre le précédent champion du monde car c'est arrivé quasiment jamais dans l'histoire des échecs on peut citer Anatoli Karpov suite au forfait de Bobby Fischer en 1975. Et bien donc on va prendre les championnats du monde à partir de 1907 puisque voilà, j'ai arbitrairement choisi le 20 siècle. Pour ces lives de partie classique, du coup, on va partir du numéro 7 et on va potentiellement aller jusqu'à Kasparov Kramnik 2000. Alors, je crois que l'an 2000 ça un parti en 21e siècle, si on veut être précis. Donc, je vais l'exclure parce que sinon ce serait pas précis de ma part. Et, euh, et donc, ça va jusqu'à 37. Donc, entre le 7 et le 37. Bah, du coup, on a, euh, a priori, se faire a par 31 championnats du monde, et on va faire un plouf-plouf sur ces 31, et on va prendre la première victoire du match. D'accord euh, En espérant qu'elle ne soit pas trop connue, mais ok, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Et puis, euh, peut-être qu'on fera une victoire... Euh... Ah, on me dit que c'est le contraire, que le 21 juillet commence en 2001. Ok, donc on va apprendre le 38 aussi du coup. Hop. Euh, alors, plouf plouf, on y va. Alors, comment on va faire On se met là, je me remets là pour l'instant temporairement. Je vais vous préparer le plouf plouf. Hmm. On va faire un plouf plouf entre 1 et 37. Euh... Ok. Eh bien, je vais écrire de 1 à 37 dans un bloc-notes. Et je vais faire un apport. Je sais pas si c'est une façon plus rapide de faire, mais... Ah, J'aurais pu utiliser un Excel et faire glisser peut-être. Bon allez, j'en je suis à 22. Ah non, c'est pas de 1, ça commence à 7, on a dit. 25, 26, 27. Porter une liste. 32 éléments détectés. Du coup, forcément. Ok, vous voyez tout Ouais. Allez, on pioche un championnat du monde entre le 7e et le 38e. Tout le monde est prêt pour le tirage au sort N'hésitez pas à partager le live et à mettre un pouce bleu. Je vais moi-même le partager d'ailleurs avant de faire le tirage au sort. Partager sur Twitter. Ça va être rapide. Je vais être parti du championnat du monde. Et c'est bon. Et bonsoir Tariq, bienvenue. Allez, c'est parti pour le tirage au soir. Numéro vingt-huit. De quoi s'agit-il? Oh. incroyable. C'est le championnat du monde qui n'a pas eu lieu. C'est pas de chance. On a zéro partie à analyser. Et bien bonne soirée à tout le monde. Ok, on retire. J'aurais dû enlever le 28, mais j'ai pas pensé. Je savais même pas que je l'avais compté comme ça. J'ai oublié. Bah, refaire alors. Refaire sans le 28, voilà, exactement. On <laughs> refaire ce tirage sans le 28. Le 9. Ok. Le 9. Donc, on est sur du Lasker. Lasker Schlechter! Et eh oui, 1910. 1910, on part sur du Lasker Schlechter. Est-ce que vous connaissez ce match? Alors vous l'avez, voilà, vous avez les deux joueurs à l'écran. Euh... Méconnu, Karl Schlechter, mais un joueur hyper fort. Ah ben bah, l'huissier peut venir quand il veut, le tirage il est hyper intègre. Hein. Euh... On tombe sur le 28, on tombe sur le 28, on, on, re, on retire. L'huissier il a rien à dire. Et tout est propre. Euh... C'était un match en 10 parties. C'est un championnat du monde très court par rapport aux autres. Probablement le plus court de l'histoire des échecs d'ailleurs. Si on compte peut, pas les championnats du monde à zéro partie. Même encore plus court que les championnats du 21 e siècle en 12 parties, c'est pour dire. Ah, il y a eu Anand karlsen. 10 parties peut-être On vérifie. 11. 10 Voilà. C'est le premier match. Ah non, Carlsen. Donc execo, je pense. 10 parties, les deux plus courts championnats du monde. Ok. Alors, donc on va prendre Schlechter, Lasker. Alors ce qui est pratique. C'est que j'ai déjà l'analyse normalement. Ah oui alors c'est génial vous avez eu de la chance franchement vous êtes gâté parce que vous êtes tombé sur quasiment le seul championnat du monde où il y a un super article d'Andrei Terikov sur le site euh, Chess.com dans le blog sur son blog je vous montre à quoi ça ressemble et franchement si vous êtes passionné d'espoir que vous lisez passionné d'histoire et que vous lisez l'anglais ou que vous avez une traduction je vais y arriver automatique qui est pas trop mauvaise. C'est magnifique. Parce que ça fonctionne, ouais. Ça date de 2019 et c'est hyper long. Vous voyez l'ascenseur Non, vous ne voyez pas. Comment je vous rajoute l'ascenseur Ah voilà, là vous voyez l'ascenseur un peu. pour le coup réduire ok ah bah la traduction automatique ouais, je suis d'accord ça peut aider parfois quand même donc euh... ça a été le premier match champion du monde qui s'est fini par une égalité Ok, c'est l'un des matchs qui a été le plus mal perçu par le public. Il était connu que Schlechter était hyper dur à battre. Très solide. Ok, donc il a pris des risques dans la partie qu'on va voir. Pour essayer de gagner à tout prix. Et il y avait eu une légende comme quoi il devait gagner avec deux victoires d'avance. Ouais, Schlechter, c'est un super joueur à... à étudier, en fait. On pourra prendre des parties de lui. Ah bah, il y a une Immortelle ici, contre Fleissich. Ah oui, je crois qu'elle est super. Voilà, qui était ce Karl Schlechter Ici. Et malgré beaucoup d'accomplissements, de... il a été dans l'ombre. De ses contemporains. Mort vocal, c'est genre euh, <laughs> plus bavard ou. C'est Anso qui va nous dire ça. Alors, il est né en 1874 à Vienne et il restera toute sa vie dans cette ville. Il a appris les échecs à l'âge de 13 ans, comme moi! La différence, c'est que lui a été vice-champion du monde. Selon d'autres sources, encore plus tard. Il a commencé dans des cafés. Il y avait beaucoup de cafés d'échecs dans les capitales européennes, c'est vrai. À l'époque. Surtout à Vienne, semble-t-il. Ok. Et en 1893, donc à l'âge de 19 ans, il a fait une partie qui a été mémorisée comme l'immortel de Schlechter. Et elle dure 17 coups. Alors, je vais la l'attraper et on va la mettre dans la étude. Tu vas à Vienne, Tarik, à la fin du mois. C'est trop drôle ça. Il était, bah, il était autrichien. A priori, euh, on va euh, euh, choper la partie je vais mettre ici. Yes. Est-ce que, ouais, je vais vous agrandir ça. Euh, juste avant. Euh... Si vous allez sur la page Champion du monde, vous cliquez, vous avez le Wikipédia en français, direct. Joueur d'échecs autrichien, voilà. Et il était également compositeur. Voilà, c'est ça, ça, c'est son caractère pacifique, adepte du jeu en tant qu'échange afin de mener une pièce d'échec avec son adversaire plutôt qu'un combat. Alors que Emmanuel Lasker, vous savez, une de ses ces citations, c'est Les échecs sont avant tout un combat. C'est un combattant. Et, et Schlechter, est le, le, le gentleman, n'hésitait pas à offrir des nuls de courtoisie aux adversaires qui commençaient à ne pas trop aimer leur position sur l'échiquier. S'il voyait qu'il pouvait encore se défendre. Si son adversaire arrivait en retard pour un match, Schlechter soustrayait discrètement un temps égal à sa propre horloge. Il a entraîné plusieurs de ses rivaux. Oui, Vienne, très belle ville. Son premier et unique professeur d'échec est un problémiste austro-hongrois, le docteur Samuel Gold. Ah, et là, c'est écrit qu'il a commencé à 16 ans. Donc, il y a débat. Il a disputé une cinquantaine de tournois durant sa carrière et finit rarement au-delà de la quatrième place. Style de jeu doté d'un tempérament doux et peu agressif. acheté avait la réputation de jouer pour faire nul. la l'appela le maître de la nulle. Il fut accusé d'annuler ses parties contre les plus forts maîtres et de battre les joueurs plus faibles. Sur 32 parties contre Gesa Marouxi, il en aurait annulé 29. Et bizarrement, lors de la dernière partie de ce championnat du monde, alors qu'il avait un point d'avance et que c'était la dernière, il n'a pas joué pour la nulle. Plusieurs variantes portent son nom. Vous en avez ici, voilà, vous pouvez en savoir plus en lisant la page de Wikipédia. Et nous, on a décidé de regarder sa partie immortelle. Et je vais vous mettre la vue meilleure. Et je vais aller chercher mon chargeur aussi parce que sinon, ça ne pas le faire. Donc... Ah ouais, il faut que je chope les photos des joueurs aussi. Ok, donc les coups, euh, on va les... On va les masquer pour euh, suite à une demande de Yaiko. Je sais pas s'il est toujours dans le chat. Et oui, c'est mieux que vous ne voyez pas les coups pour euh, quand je vous fais chercher des coups notamment. Ou pour... Euh, oui, pour pas être trop spoilé. Euh, il nous faut que je alors, dans ce dossier, j'ai sa photo. Ok. Impec. Ok. Bien, bah, je crois qu'on est bien installé. J'espère que vous l'êtes également. Et salut Foupoudaf, t'arrives pile temps. Ah, il y a, Uko, y a Iko qui est là. Et Tariq, nous dit j'espère que c'est une ouverture intéressante. Tariq, qui est un amateur d'ouverture, du coup. Euh, tout est calé. Est-ce que ça répond à ta question, Tariq Au rang outant, c'est le nom exotique qui avait été donné par Tarzakova à ce coup. Euh, sinon, on l'appelle aussi Sokolski. Et peut-être même qu'il a un troisième nom du style polonaise. Ah, c'est polonaise selon la bibliothèque Liches. Mais je connaissais les trois noms. Ouais. J'avais entendu les trois noms. C'est la grobe de l'aile dame du coup, Yaïko. La grobe, c'est G4. Voilà. Donc B4. E6. Plus commun est E5. Et si vous ne savez pas quoi jouer contre Laurent Houtan je vous recommande de jouer cette ligne. Où on prend le pion B, il prend le pion central. Attention, on menace de gagner la tour. On fait cavalier F6. Et puis on roque très vite. Et on envoie les pions au centre. Et après, cavalier C6. Pour que le fou soit obligé de repartir. La tour peut venir sur E8 très vite. Facile à développer. Bonne position. Mais, il joue E6. Karl Schlechter, dans son style prudent. B2, KF6. Ok, évidemment, gros piège. Prends pas là sinon, on perd. Tour. KF6. Ah, tu protèges son pion. Il attaque le pion. B5. Ce qui empêche le développement naturel du cavalier. D5, il prend le centre. D4. Erreur selon l'analyse. Un coup imprudent. Mais bon, c'était pas une partie de tournoi, c'était une partie amicale. On ne devrait pas trop critiquer le jeu des blancs, c'est écrit dans le commentaire. E3 le serait normal. Il va se... voilà, pour sortir ce fou, cavalier, petit roc. D4 échec. Attaque le pion. Donc, c'est passé, okay, c'est 3, pour protéger le pion, et coucou, il y avait 4, embêtant, bonsoir, Thomas et compagnie, comment ça un pion central contre un pion de l'aile, ah tu veux dire sur D4, non non c'est erreur à cause de l'échec, Ouais, si prise en D4, euh, bon c'est aussi un candidat, sauf que comme il n'y a pas kss 6 peut-être qu'on peut en profiter pour faire dame prend. C'est une... une question, est-ce qu'on peut en profiter pour faire dame prend Peut-être. Sinon, faut prendre, je suis pas choqué non plus. Parenthèse. Dame prend Dame prend. OK. Donc échec mieux, semble-t-il. Et cavalier le 4 Et fait dame D3, qui était une erreur. Waouh, regardez comment il aurait pu gérer la situation. faut pas rester bloqué sur les apparences, aux échecs. Après, évidemment, c'est facile à dire, pas facile à faire. Bonsoir, Fivos, bienvenue, c'est plaisir de te voir. On n'est pas du tout sur une française, on est sur une or en outan, avec E6, Fou B2, qui avait des F6, A3, C5. C'est vrai qu'il y a un petit côté française, mais tu as dû voir quand même que le pion était sur E2. Du coup, on n'est pas bien pour. Euh pour dire que c'est une française. Les française commence par E4. Check. Et oui, et donc il a fait dame D3 pour protéger. Bon, logique, on peut le comprendre. Et en fait, il avait E3 pour protéger. Car sur Cavalier prend, il y a dame D2. On retrouve ce thème régulièrement dans l'ouverture. Ça cloue et ça récupère le cavalier. Une défense imaginative. Oh, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bonsoir à Bruno notamment. Et donc C4 par exemple Ah oui, on gagne quand même le pion B5. On n'a pas gagné de pièces, mais on a quand même gagné un pion. Ah, j'avais dit que je devais prendre mon chargeur, et cette fois, j'ai plus le choix car le message niveau de batterie faible vient d'apparaître. Tac. Ça fonctionne. On est sauvé! Qui le 4? Dame des 3. C'est prend On regarde ce qui est euh, surnommé la partie immortelle de Karl Schlechter. Si vous ne connaissez pas ce joueur, n'hésitez pas à aller voir sa fiche Wikipédia. Il gagne à être connu. Pour ceux qui sont en retard, il a un caractère pacifique. Et il aime bien proposer des matchs nuls à ses adversaires par Courtoisie et il pense que c'est d'abord un échange entre deux joueurs, les échecs plutôt qu'un combat, contrairement à Emmanuel Lasker, dont on verra tout à l'heure la partie dans leur affrontement de championnat du monde 1910. Ça me prend, fou c5, effectivement, euh, petit problème sur f2. Ça prend, attention, tout va attaquer, il prend. Ici, qui n'était pas précis, semble-t-il, selon l'analyse, il aurait fallu tout simplement. Vous connaissez le conseil de la semaine, jouer simple. Vous pouvez le retrouver facilement sur la chaîne. On a une tour attaquée, on bouge la tour. Et puis, après E3, qui protège F2, il propose Foula qui menace Fou F6, qui attaque la dame et pauvre cavalier cloué. Et, et ça perd, en fait. Parce que même s'il la rajoute une protection, il va perdre sa protection de la dame. prend. 3D1. Et là, par contre, il a fait une entorse à sa réputation, Karl Schlechter, car il a laissé sa tour, comme au 19e siècle, dans le style romantique, et il a joué des quatre. C'est écrit, joué dans l'esprit de l'école viennoise des échecs. Bernhard Fleissich prend la tour sur H8, échec au roi, E7. Il lui laisse le fou, il prend le fou. Erreur. Il aurait fallu qu'il joue cavalier F3 pour essayer de survivre. C'est quand même l'avantage pour les noirs, mais la partie continue. Il a fait Dun prend. Attaque le fou. Le fou n'a qu'une case. C'est vrai que la position est très chaotique. Ah, tu l'as vu hier, le jouet simple, Thomas. d'accord Oui, c'est complètement le bazar, cette partie. Dame prend B5. Et fou F4. En fait, il a un problème, c'est parce qu'il est menacé de échec au roi ici. Et regardez, le roi serait complètement coincé. et Donc, il donne, par exemple, cavalier F3. Dame D5, cavalier D2, ou 3. Et on est coincé, mais en plus, on va se faire capturer. Ça va être vraiment terrible. Par exemple, il peut y avoir du pion prend cavalier F2, mat. Mat semi étouffé Il n'a pas joué cavalier F3, il a fou F4. Pour essayer de se faire une case de sortie pour le roi. Et là, je vous laisse deviner le coup de Karl Schlechter. Vous avez les noirs. Vous êtes en 1890. Non! 1893 Vous jouez une partie amicale contre Bernhardt À Vienne Vous êtes dans un café. Qu'est-ce que vous jouez Et qu'est-ce que tu fais si tu te captures, Samir As-tu prévu On lui dit, Do you want a draw? pour faire honneur à notre réputation. Hé <laughs> hé, pas mal. Sauf qu'il n'a pas encore cette réputation parce qu'il a 19 ans et il a commencé les échecs à 16 ans selon la l'affiche Wikipédia, donc il est encore un peu d'humeur agressive. Elle a déjà donné la première tour. Dame B2. Ok, Dame B2, tour C1, je suppose. Dame B2, tour C1. Faux aussi. C'était faux 3, je pense, Thomas. Alors, alors, pourquoi vous voulez faire ça Qu'est-ce que vous avez prévu Surprise, en fait. C'est de comprendre votre idée. Check. Oula, c'est quoi Dame D5, donc il s'en va. Dame D5, il s'en va. C'est quoi votre idée Ça me rappelle les masterclass de la FFE quand on posait des questions et que... Dans le... Il y avait des réponses, c'était un coup, et puis c'est tu sais tout quoi En espérant que ce soit le bon, une sorte de loto. Mettez votre idée si vous faites un coup. Mettez la suite, il faut absolument une idée. Foupoudave qui veut jouer E5. Quelle est ton idée, Foupoudave Ok là t'attaques le fou, soit. Il y a peut-être Dame C. non, je sais pas. Peut-être dame F5. Qui peut t'embêter Dame des 5 croissait dame des 2. Ah bon, non, là, euh, monsieur Dafi là. Pas possible, euh, dame des 2. Voilà, ah, ouais, tu viens de te rendre compte. Fou E3. Mais alors, c'est quoi, quoi Fou E3 J'ai pas compris Fou E3. Vous voulez faire Fou E3, mais je mange... je mange votre pièce. Quelle est votre idée Il y a un truc qui m'échappe. Tout le monde veut faire Fou E3. Je mange... alors, alors, on y va. Fou 3 Je mange la pièce. Qu'est-ce que vous avez prévu Je ne dois pas avoir votre idée, mais il doit y en avoir une, puisque tout le monde veut jouer fou au 3. Md5 Ok, donc déjà j'ai deux cases. Je ne sais pas laquelle utiliser. Quel est le problème Je joue là Quelle est votre idée J'ai l'impression que vous aviez envie de faire ça, mais vous avez oublié que le fou surveille. Est-ce que vous seriez par hasard aussi fatigué que moi je peux même faire ça, je sais pas. Quel est le drame je prépare. Euh... Attention, parce que si je fais ça et vous bougez votre dame, je vous mate quand même. En plus. On en est où là J'ai quand, une... quand même une tour et une pièce d'avance avec les blancs, je me sens pas mal. Ah mince, le fou Nous dit Wilfried. Bon, bon, du coup, on revient à la position de la partie. Alors, il n'y a que Pascal qui était un peu sur la voie. Il y a eu cavalier des 7. Et c'est écrit Les Noirs sacrifient la seconde tour pour dévier la dame blanche. Ce n'est pas une surprise que cette partie figure dans le livre de Serawan et Minief. Take my rooks Avec le commentaire suivant Beaucoup considèrent cette partie. Comme le, le sacrifice le plus fascinant des deux tours. Bon, sacrifice des deux tours, on est pas mal avec la partie immortelle d'Adolf Andersen quand même. Car dame prend, dame des cinq, nous dit Olivier, alors roi C1 toujours. Alors, il a pris. Il a pris, mais il a accepté le sacrifice. Et il y avait euh, une possibilité de jeu qui était de ne pas l'accepter. Et là, après l'échec roi C1, il se passe quelque chose dans le commentaire en anglais d'assez joli et inattendu. Est-ce que vous voyez le coup Ah, alors Lucie avait une idée, on va regarder après. Mais est-ce que vous trouvez le coup des noirs ici ah c'est normal Fou Poudaf c'est que c'est pas... Un... En fait c'est dans le pur plus, plus pur style romantique du 19 e siècle, c'est-à-dire qu'on sacrifie même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On le fait à l'instinct et au panache. Alors on me redonne Fou E3 avec l'idée Cavalier F2. C'est l'idée de Lucie. Ok. Il y a une idée. Il y a une idée. Ça, ça fait effectivement... ça peut faire effectivement un mat. Sur Fou3. fou 3 chèques, 3, c'est pas mal, déjà. <laughs> j'en étais sûr, Hanso. On me donne. fou Ah, hein oh, j'aime bien la beauté du coup. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est joli. Et c'est Faux poudave et Nicolas aussi qu'on trouvait le coup bien joué Fou B6 regardez C'est la classe ou pas La dame blanche est coincée plus de cases C'était inattendu Alors sinon on nous proposait un petit dame D2 Fou prend pion prend C'est mignon aussi mais une nouvelle dame, mais. Une nouvelle dame, mais est-ce que. Plutôt larvé d'ailleurs quand même. Est-ce que. Est-ce qu'on gagne est Il y en a encore un peu de jeu avec l'échec, mais c'est pas clair quand même. C'est pas clair du tout ici. Allez, pour la première fois de la soirée, j'allume l'ordi pour savoir si ça passe pour les noirs. J'ai l'impression que non. Ah non, ça passe pas. Les blancs gagnent à plus 8. Ok, ça passe pas. Alors on m'a proposé un ou trois échecs. J'aime bien. Euh, avec l'idée carré de F2, menace mat. Si fou prend, dame échec, voilà, dame échec, voilà, dame prend échec et mat des épaulettes. Sympa. Et est-ce que les blancs ont des solutions contre ça Peut-être ça. Peut-être ça. Ah, mais là, on ne va pas dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas clair qu'on gagne après ça, mais on va dans l'autre sens. Un beau mat. Yeah. Et on regarde si ça passe. Le petit fou 3. Oh non, il passe pas. C'est oh, rend pas de chance. Ah, mais il prend 3 mentionné ou pas sur le chat Non Personne n'a trouvé d'un point C3 pour corriger ma lacune. Il y a aussi Fou C5 qui, qui tient la nulle, semble-t-il, mais. D'un point C3, c'est plus 9. Ah, mais quand je fais ça, il faudrait que je vous montre en fait. Yes. Il faudrait que je vous fasse ça. Voilà, comme ça vous voyez que c'est gagnant pour les blancs. Mais je ne veux pas vous spoiler le reste du temps, mais juste pour vous montrer. Euh. Donc ça marche pas. Et donc c'était Fou B6. Est-ce qu'il y avait plusieurs gains Ok, dit que les noirs ont une position gagnante dans tous les cas. On peut jouer du E5, on peut jouer du Fou C5. Mais ok pourquoi Jouer un coup que Fou B6 quand on peut gagner une dame. Ok, position gagnante selon. Il n'a pas fait ça, il a pris la tour. Dame D5. Roi C1. Et vous aviez déjà prévu la fin de la partie. Bravo! A vous. C'est effectivement de fou E3 échec cette fois-ci. Et sur fou prend cavalier F2. Bravo. Cette fois, il n'y a plus d'un prend C3. C'est pour ça qu'il a dévié la dame. Il l'a tiré avec la tour pour plus qu'il y ait la défense. Et maintenant, il n'y a plus de défense. C'est écrit Fou prend F2, dame D2. Robert. Yeah Il n'y a pas d'autre défense. Tout à l'heure il y avait fou C5, mais là, au pire, on capture. Voilà. Avec la, le cavalier pour garder la menace de maths. Il n'y a plus rien. Je vous montre que c'est mat forcé selon l'ordi. Il donne un échec de désespoir sur G5. On peut répondre par un contre-échec. En fait c'est marrant parce qu'il y a des lignes ouvertes sur le roi de partout et il finit comme dans les parties du 19e avec toutes ses pièces sur la case départ sauf la dame qui allait les capturer les deux tours. Donc sur Roi D1, vous avez compris que c'est Sheik et Mat. Donc il donne E3 pour résister un peu. Ah oui, c'est mignon, parce que bon là, y ah, il y a Mat. Même... Pourquoi je dis Roi D1 Il n'y a, a pas Roi D1. C'est Roi là, Dame B6. Et OK, il, il rallonge le truc, mais c'est pas... C'est vrai qu'on a quand même un Mat... Euh... Bon, on a celui que tout le veut. veut J'allais dire, on a un Mat mignon. On a deux maths, donc dans un mignon. Voilà, pour cette partie immortelle de Carl Schester et maintenant, on passe aux choses sérieuses avec la partie d'Emmanuel Lasker. Championnat du monde. Ok. Euh, championnat du monde, championnat du monde. Et eh ben, il nous faut Lasker si c'est le championnat du monde. Donc, euh... elle est où cette partie Je la récupère. Euh... Soit par là, soit par là. Tac. Ok cool, je la récupère. Comment je fais Je vais la télécharger. Je vais la réimporter. Un pec, un pec. On peut se mettre comme ça. Et il nous faut Emmanuel Lasker. Il arrive, il est pas loin. Et jamais bien loin Emmanuel Lasker, le champion du monde qui a été, qui a régné pendant le plus longtemps. Est-ce que quelqu'un, petit quiz improvisé, est-ce que quelqu'un sur le chat sait? Combien d'années, Manuel Lasquer a été champion du monde et c'est Pascal et Samir des grands passionnés de l'histoire des échecs qui ont la réponse 27 ans champion du monde 1894-1921 Et là on va mettre championnat Ouais, on fait mettre Tout le monde est bien installé. Les moustachus. Ah, C'est à l'époque aussi. Hein le pacifiste. Chester avec les pièces blanches contre le combattant Emmanuel Lasker. Exact, Foupoudave. C'était l'époque où le champion du monde choisissait ses challengers. Et ça a duré jusqu'à la mort d'Alkin. En 1946, d'où le championnat, le premier championnat du monde organisé par la fédération internationale des échecs, qui de toute façon a été créé en 1924. Donc, euh, bah, déjà, il n'y avait pas de fédération internationale avant 1924, donc euh, un peu normal que le champion du monde euh, organise ses matchs lui-même. Et 1948, premier championnat du monde. Euh, de la fille gagnée par Baudvinic. Petite question de novice Se serait classé combien à notre époque nous demande Patrick. Euh... C'est hyper dur à dire, mais en général, on peut imaginer que les meilleurs joueurs, les champions du monde du passé ou les meilleurs joueurs du passé, s'ils avaient euh, bah, les mêmes moyens que les joueurs actuels bah, ils seraient dans les meilleurs joueurs actuels eux aussi voilà. après il y en a peut-être qui seraient plus, adap plus adaptés plus à l'aise avec l'informatique que d'autres mais euh, voilà. Il y a certains styles de jeu qui auraient peut-être euh, plus euh, résisté euh, qui serait plus adapté à notre époque où ça défend beaucoup mieux. Et les grands attaquants, ça serait plus dur aujourd'hui, parce que ça défend beaucoup mieux. Et il y a effectivement, nous dit Pascal, un site qui doit s'appeler Chess je pense, entre autres, il y en a peut-être d'autres, qui. Oui, Lasker était allemand exactement, Samir. Euh... Qui a estimé les ELO des joueurs avant que les n'apparaisse, n'apparaissent, c'est-à-dire en 1970. Donc, chessmetrics, et ben, on peut aller jeter un coup d'œil par curiosité. Euh, et en général, les anciens champions du monde est estimés à plus de 2600, clairement. Chessmetrics, on va essayer. Oula, problème de sécurité. Ah, c'est pas chessmetrics. En tout cas, c'est pas.com. Chessmetrics.com. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une faute de frappe, ok, génial. Ah, players Ah oui, donc dans Players, déjà, vous avez les pics de joueurs et on a forcément Emmanuel Lasker dans le secteur. Où est-ce qu'il est, qu est Bon, bah je vais faire une recherche, je ne le vois pas. Ah oh, il est quatrième, je ne le voyais même pas. Ah, il a un, un classement estimé de 2855 entre 1894 et 1896, Emmanuel Lasquer. Avec un pic à 2878 en 1894, euh, selon ce calcul. Voilà. Mais bon, après, ce qui est bien sur ce site, c'est qu'on voit pas que le hélo est estimé on voit le rang mondial. Le rang mondial. Bon, mais c'était champion du monde. Donc, euh, et puis, il est duré 27 ans. C'était le plus fort, largement, quoi. Les combattants. Allez, on y va. Ça ouvre E4, E5, KS3, kc 6 b 5, partie espagnole. Cavalier 6, défense de Berlin. Peut-être que ça vous surprend, parce que c'est une ouverture très moderne. Mais voilà, on l'a joué fin du 19e et début du 20e. On est en 1910. Et donc, on a une berlinoise sur l'échiquier. Non mais Magnus, alors Magnus, ouais, non. C'est pas. De toute façon, c'est des calculs. C'est pas pour. On ne peut pas comparer les joueurs, c'est des approximations. Quoi. Alors bah Magnus a été. Ça c'est le pic, hein. C'est le pic. Donc euh, Magnus a été plus haut en pic. Il était de 1889. Peut-être même un petit peu plus en virtuel. Ah, ou alors c'est le contraire de publié, de en virtuel. Ouais, c'est le poids sur son époque, l'essentiel et l'héritage qui, qui nous a laissé. Allez, petit roc, D6 par contre. C'est pas rentré dans la grande variante moderne de Berlin avec Cavalier prend. Vous la connaissez probablement, D4. Cavalier D6, ça tape le fou. Échange, D prend, puis on prend. Cavalier bouge, échange des dames, roi des roquets, mais il n'y a plus de dames sur les L'ouverture fatale utilisée par... Kramnik avec les Noirs contre Gary Kasparov dans leur match de l'an 2000. Gary Kasparov qui a gagné zéro partie dans ce match. Il n'a pas réussi à casser la euh, défense. Alors, Yaïko qui dit qu'il ne joue pas la partie espagnole. Gary Kasparov qui a déclaré: si vous n'avez pas étudié la partie espagnole et le gambit Dame aux échecs, alors vous n'avez pas vraiment étudié les échecs. Donc. Il va falloir s'y mettre, Yaïko. Merci Patrick. Après j'imagine que c'est plus facile aussi d'écouter un chat de 30 personnes que un chat de 2000 personnes. Donc la berlinoise et D6. Alors dans la bibliothèque D6... On a parlé de Vienne tout à l'heure, on parle de Berlin, la berlinoise, défense de Berlin, le mur de Berlin, on l'appelle même. Le mur incassable. Euh, regardez le taux de nul. 66% de matchs nuls chez les maîtres. En cas de cavalier provocateur. 4. Bon, et D6, par contre, un peu plus modeste. Et ça fait penser à la Stanitz. La Stanitz, vous savez certainement, que c'est D6. Voilà. Et j'ai fait. Euh une petite étude sur la Stanitz pour jouer avec les blancs, pour essayer de poser des problèmes aux noirs. C'est avec des cas, je pense, que j'avais choisi. Euh, sinon, il y a la Stanitz différée qui est réputée meilleure, c'est A6. Bon, évidemment, on peut s'exposer à l'espagnol d'échange, mais voilà, beaucoup plus robuste. Par exemple, si on regarde la statistique chez les maîtres de la Stanitz différée, on est à 24% de victoire noire, ce qui est pas mal du tout, alors que pour la Stanitz normale, déjà, elle est à la cave, et puis on est à 43% de victoire blanche. C'est quand même pas mal par rapport à 1,37%. Ouais. J'aurais pensé bien encore pire que ça. Alors, euh, D6 parce que la menace était Fou prend et Cavalier prend. Alors, oui et non, on peut aussi jouer par exemple Fou 7. Pour se défendre, on voit du fou C5 aussi, comme quoi elle n'a pas peur de la menace. Donc, sur fou C5, c'est un peu compliqué. Sur fou prend C6, des prend C6, cavalier prend prend E4 qui passe parce qu'il n'y a pas de taureau hein, à cause de fou prend F2. Et sur dame 2, qui est la théorie, il y a un dame D5 inattendu qui attaque là tout en défendant, et du coup, ça laisse le temps de, de roquer derrière. Ok, pas complexe. Du Zapata Rode. Donc des 6. Et des 4, un peu comme dans la... Steinitz. Menace de gagner un pion. Fou des 7. Oui, le Dame des 4 qui passe plus, en fait. C'est ça, le, le truc... Euh... Le Dame des 4 qui passe plus. Euh... Si on fait... Euh, si on fait euh... Parce qu'il y a Tour 1 qui arrive, voilà donc euh, c'est pénible pour faire attention. Mais ok, on a plusieurs options de jeu D6 D4. Allez, il se menace de gagner ce pion. peut essayer de se venger sur celui-là, mais il doit faire très attention à ce qu'il fait. Fou des 7 solides d'Emmanuel Lasker. Donc on est sur la partie de championnat du monde chez Ster Lasker. Okay, 3. Hey, bonsoir Sylvain, bienvenue. Tu pas raté grand chose de nos sixième coups de la partie de championnat du monde 1910 entre Karl Chester et Emmanuel Lasker, la cinquième ronde. il y a eu 4 nuls auparavant. Et c'est un match prévu en 10 parties, très court donc. vous 7. Oh, il la joue vraiment euh, modeste, solide. Euh, ici, euh, Lasker. Et on n'a pas beaucoup de parties de maître, mais on a. C'est quelque chose qu'on va retrouver un peu chez les amateurs. Ouais. Ok, Fou G5. C'est drôle, ça joue scolaire. Vous B5, vous g 5 vous D7, vous êtes. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ça joue bien. Petit rock, déprend. Le niveau de jeu assez élevé. Le bon clou de Patrick. C'est Roi E2. Ça, c'est du troll. De Nakamura. C'est pas. C'est du troll. Je ne ferai pas de live sur le bon cloud. C'est 4-5. Roi-E2. C'est le pire coup de la position. C'est pour troller l'adversaire. C'est pour se moquer de lui. C'est pour le provoquer. C'est hyper mauvais. On passe tout de suite en négatif. Tac. Ici, c'est des échecs sérieux, Patrick. À l'époque, la cadence de jeu était très longue. A priori, c'était du style... Une heure tous les 20 coups, à l'infini, avec des ajournements. La bah, stockfish, il, il... je sais pas quel stockfish tu parles Patrick, mais change ton stockfish rapidement. Hein. Euh, c'est stockfish qui te troll en fait. C'est moche de se faire troller par un ordinateur à 3400 Elo. Tu prends, prend, tu prend, prend. Ou alors c'est Patrick qui nous troll, on sait pas. Ah, il n'y a pas de problème. <laughs> il Qui est des 5. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges. Euh, en très peu de coups. On était là, on avait toutes les pièces sur les chiquets, tous les pions. Et puis, on prend le 5. Alors, il faut savoir une chose c'est que quand les blancs ont deux pions comme ça dans le centre, ils n'ont pas très envie de modifier ça. Ils préfèrent attendre que les noirs prennent pour rester qu'un pion au centre contre 0. Si prise, prise, euh, ça fait un centre égal. Mais ici, pourquoi il prend Parce que voit qu'il n'y a pas prise là. Euh à cause d'une variante, alors peut-être très longue d'ailleurs, je me demande si c'est pas une partie de Marco, faut vérifier euh, l'ordinateur va nous donner la variante parce qu'on se dit, est-ce qu'on gagne ce pion mais sur prise prise, prise, on va perdre celui-là, il faut faire très attention parce qu'après, il va y les des prises, prises, prises il va y avoir des, des tours au 1 il y aura des fous points 7 intermédiaires, des d'un point, des 8 intermédiaires des tours au 1 et bon la vente est assez mortelle à calculer, alors Peut-être que c'est déjà connu de l'époque, hein, parce que vous avez souvent joué ça, donc ils étudiaient et puis euh, ils reproduisaient pas les mêmes erreurs, etc. Et ils étaient très bien préparés. Euh, et, et ici on a du... Ouais, non, non, merci, j'ai pas besoin de l'URL Patrick de Stockfish qui joue le banc euh, Puis on prend euh, Cavalier prend. Ouais, alors on va voir sur lordi... Alors je vais vous le mettre. Lordi. Pour voir s'il arrive à démêler tout ça, alors il est où le là Je vais vous le mettre par-dessus. Ok, donc on y va. Vous voyez, ok, c'est 1,3. Alors, tour 1 Ok, donc on gagne pas de pions, en fait. On fait tour 1, on protège parce que si on essaye de gagner le pion, en fait, ça marche pas, on gagne rien du tout. Il contre-attaque. Alors, il faut pas qu'il se gourre quand même. Faut qu il faut qu'il prenne du fou. S'il prend du caval, il se fait réfuter par ça. En fait, il, il, il va avoir un temps de retard, a priori. Il va attaquer la dame. Et il a ça en prise. Euh... Comment il va faire Il va se prendre ça et ça. C'est la menace. S'il prend là juste. Il change les dames. À la fin, on gagne. Ok, c'est pas tout à fait. Ah oui, voilà, on protège. Tac. Donc, euh, bah, il est dans le pétrin. Et si échange ici, vous avez compris qu'il y a échec intermédiaire. Par exemple, on a 10 000 pièces de plus avec les blancs. 2. Ça vaut 10 000. 2. Donc, on fait tout au hein. Juste. Et on menace cette fois de gagner un pion. Parce qu'on a protégé. Donc. Bah il est pas bien apparemment, il sait pas quoi jouer. Faut qu'il fasse ça. Est-ce que ça existe cette position Pas chez les maîtres. Ou H4. Ok c'est juste que la position blanche est excellente, alors c'est un, un cas assez rare où on va égaliser le centre, parce que chacun a un pion à la même hauteur, mais il y a la pression sur ce pion qui est très pénible. Il est embêté parce que si par exemple il fait fou des 6 pour protéger, bon l'ordinateur dit qu'il faut le faire de toute façon. Mais une petite cavalier des 5 qui commence à traîner, vous savez, avec l'appui sur euh, le clouage ici. Euh, et ça va obliger un, obliger un G5 à partir peut-être. Bon, il dit que c'est pas obligé, mais si, il dit que c'est obligé. Du coup, c'est hyper risqué. Alors, apparemment, on peut pas sacrifier. C'est marrant, c'est une vente que j'ai montrée. Au club de Crépy en Valois, mercredi. Si on prend, il prend là et il cloue. Ça me fait penser un petit peu au coup de dame des deux tout à l'heure, quand c'était cloué. Et il s'en sort par l'égalité, étonnant. Hein par contre, on ramène le fou simplement et on lui dit, bah t'as vu ton roi T'as avancé tes pions. Et moi j'ai une position normale. Donc c'est un petit avantage. Okay. Petit avantage blanc. Hop Donc il a pris du caval Ah oui, il ne faut pas qu'on traîne parce que cette partie est assez longue, je me rappelle. <laughs> donc il échange en D7. L'adversaire reprend, alors, vous voyez, il prend pas de la dame, euh, bon, déjà, parce que c'est un peu risqué, parce qu'il perd une pièce, mais ok, c est, c est, je voulais vous expliquer que, bon, il, par exemple, il ne fait pas ça, il préfère échanger des pièces, parce qu'il est serré, parce que son pion est moins avancé, et tandis que les blancs, ils ont un pion dans le centre, et ils vont venir avec tour D1, typiquement, et tour E1, et le blanc, forcément, un petit avantage ici, mais bon, c'est pire que ça, c'est que si on prend... Euh, de la dame, on se prend ça, ça, Père un fou. Mais comme il est serré, et qu'en plus il a vu la qui... les deux varantes qui étaient embêtantes que je viens de montrer, il l'a pris comme ça, pour échanger les fous. Et Carl Chester, qui était d'humeur pacifique, a échangé. On rappelle que Carl Chester aimait bien jouer pour la nulle. En plus, comme c'est champion du monde et il joue contre le champion du monde, on imagine que c'est encore plus, plus que d'habitude. Échange ici et échange ici. Très bien. On y voit plus clair, n'est-ce pas Avec trois pièces mineures échangées de chaque côté. Hum. Guiri contre Carlsen. Bah, Guiri a battu Carlsen euh, en janvier, avec une belle euh, partie. Donc, euh, bon, on lui, mais c'est vrai qu'il ne pas battu depuis pas mal d'années. En l'an. Cavaler D5. Alors, les blancs, forcément un peu mieux pour les blancs. car Chester. Oh, j'ai oublié d'enlever les coups. Il y a tu t'aurais pu prévenir quand même. Voilà, avantage d'espace comme le dit Pascal, avec le pion dans le centre. Les blancs un ont plus dans le centre, les noirs n'en ont pas. C'est un petit peu mieux pour les blancs. Et puis il y a une case en D5 que Mark Hénéen va appeler un avant-poste. Alors avant-poste, c'est un terme générique euh, qui est utilisé pour beaucoup de choses différentes. Par exemple, on peut l'utiliser comme un synonyme de casse forte, souvent en français, dans la littérature échiquée. Silban, pour lui, l'avant-poste, c'est une casse forte. Mais dans la littérature plutôt russe, et vous savez que Mark Hénéen était a été formé, formé par Yossif Toffman, d'origine russe, euh, soviétique, eh bien, euh, c'est l'avant-poste, au sens où, quand on a une pièce ici, alors lui, ok, il va bouger sa dame. Il a joué d'ailleurs. Donc on y va. C'est toujours dans la partie. Dès que les Noirs vont vouloir se débarrasser du cavalier avec leur pion, qui a l'avantage de pouvoir chasser le cavalier effectivement. Ils vont se créer un pion arriéré sur d 6, et c'est très embêtant sur la colonne semi-ouverte. Donc très pénible. Donc il va pas vouloir se débarrasser de ce cavalier avec euh, un pion, avec ses 6, parce que c'est trop mais avec son cavalier plutôt. Okay, tour à 1 Ok, vous avez vu, lester c'est un jeu limpide. C'est un jeu pur, c'est propre. Il n'y a rien qui qui dépasse. Il n'y a pas de fioriture. Tour 8. Tour Qu'est-ce qu'on peut faire de plus harmonieux que ça Donc il utilise maintenant son cavalier. Il n'est il, il pas au top, Emmanuel Lasker, hein, euh, ici. Hein. Il n'a pas encore relié ses tours, il a moins d'espace. Il doit se débarrasser du cavalier, ok, il fait cavalier B6. Dame C3. Parfois, dans ce genre de cas, vous pouvez avoir intérêt à reculer votre cavalier en argumentant, par exemple, un coup comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est la case idéale parce qu'il y a Dame F6 qui est peut-être un petit peu bon, un petit peu agaçant, ouais. En argumentant que le cavalier n'est pas si bien placé que ça, qu'on va faire B3 après pour essayer de le. Ouais, il y a aussi Dorfman d'origine ukrainienne, en effet. Merci, Anso. Et... Ouais, soviétique, ukrainienne, ouais. Je, 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 je me suis rappelé en disant. En et... Et voilà, et vous gardez vos pièces si vous avez des plus d'espace. Bon, même le truc c'est que ça, c'est un c'est pas mal quand il y a plus de pièces sur le site Parce que là, il y a déjà eu trois pièces mineures échangées de chaque côté. Donc, on peut pas dire que les Noirs souffrent euh, atrocement d'un manque d'espace. Même s'ils ont un manque d'espace, mais ils n'en souffrent pas atrocement parce qu'il y a beaucoup de pièces. Qui ont disparu. Cavalier E3, proposé par euh, Samir. C'est vrai que ça empêche dame F6, ça empêche de Cavalier C4. Je l'aime bien. Euh... Cavalier F5 qui va probablement suivre. Moi, je ne sais pas s'il peut faire un coup comme dame là. Pour nous poser une question. Et Cavalier F5, réutiliser la case. Il n'y a pas de cavalier H6. Il ne va véritablement pas prendre du pion à cause de dame, Prom, mais il va prendre de la dame, il n'y a pas de problème. Hum... Okay, je suppose c'est trop. Oh, et peut-être cavalier. C4, ok. Peut-être qu'on peut aller B3 et que ça passe. Qu'est-ce que ça vaut ça Et on sait C4. De toute façon, on défend latéralement, c'est pas la fin du monde. On a cavalier pas mal. Ouais, cavalier 3, c'est un coup. Voyons, c'est l'ordinateur, l'aime bien. D Dès que j'oublie de faire disparaître la, la liste de coups, vous me rappelez alors, non hein. Et oui. Et même Cavalier F4, il... bon, là, il hésite beaucoup. Hein. Il hésite beaucoup, notre ami Stockfish 14, là. On va regarder E5. Aussi, Lucie. et ben bah, voilà, c'est Lucie. C'est Lucie qui propose E5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 5-là qui est proposé ici Alors, c'est drôle, il y a les trois coups qu'on a dit. voilà, bah, Très bien, bon, on peut effacer l'ordinateur maintenant. Et là, il se découpe. E5 C'est pour prendre en B7 C'est ça, euh, Lucie Mais va... est-ce qu'on va pas se prendre du AB et du tour prend E5, qu'est-ce que c'est que ce coup Sinon, vous avez vu l'ordinateur qui aime bien le coup de Samir, KV3, moi je l'aime bien aussi. Et même Cavalier F4, il, il est plutôt fan. Oups. Cliquez n'importe où. Euh, donc F4KV3E5. Alors c'est quoi ce truc de E5 là Je prends. Ah mais là, c'est pas possible de prendre comme ça. Ah, c'est pour cette raison-là. Très bien. Très bien. Donc là, ça découverte. De toute façon, on a pris une pièce. S'il fait ça, on fait la même. En couleur, car on est protégé. Ok, impeccable le 5. Intéressant du coup. Alors s'il prend... On prend comment La tour. Et il peut pas prendre en E5. Mm -hmm. Ouais Ça met une pression. Ça met une pression. Euh... Il est un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'il répond Réponse C6. Il dit quasiment seul coup pour pas être un peu mal. Ok. Et sur cavalier prend, il est prévu d'un prend et d'un prend B2, je suppose. Rien à voir. Il dit que si on fait dame, prend. Je bon, pensais qu'il voulait se venger là-dessus. Il dit que c'est cuit après, puis on prend. C'est plus 5. C'est cuit. Le pion est trop fort. Pion passé. Monstrueux. Ok, il faut faire AB. Et sur pion, prend, on récupère. Ok, ça c'est clair. Là, il y a égalité. Ok, donc c'est 6 points d'exclamation. Et de nouveau, on gagnerait à reculer. Et à jouer sur ce clouage. J'allais dire, il peut faire T5. Alors, Dier le donne pas. Il aime pas ça. Il a juste peur, très très peur de ça. Très 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 peur de ça avec l'infiltration. Il est très effrayé. Il donne un avantage de 1.2 pour les blancs déjà. Il dit qu'il les D7 pour essayer de se défendre. C'est Roi Chute qui a H5 quand même. Six pions là, infiltration monstrueuse. Les blancs sont gagnants. En plus, il y a du damage 4 qui, qui poursuit. Et c'est tour et dit tour là, plus solide. Ok, on peut essayer de couper les oreilles du cavalier. Et on a une très belle position avec les blancs. Yes. Donc E5, très intéressant. Et cavalier E3, très intéressant. Ok. Karl Schlechter, je vais dame C3. va les prendre sans surprise et tour, 3. tour 6 tour des 3 donc on a une finale de pièces lourdes dame et deux tours j'ai une série de parties modèles sur ce matériel dame de tour contre dame de tour ce qui est très important et faut le dire dès à présent puisque les cavaliers viennent juste de s'échanger c'est de comprendre que le critère numéro 1, alors déjà aux échecs, mais ça s'aggrave quand c'est dame de tour contre dame de tour. C'est la sécurité des rois. Pour l'instant, évidemment, elle est exactement identique. La sécurité des rois. Mais attention, on doit garder en tête et vous vous pouvez le garder en tête pour vos parties que si vous tombez dans des situations dame de tour contre dame de tour c'est valable aussi pour dame tour contre dame tour. Hein. Euh, avec un des deux rois, surtout le roi de votre adversaire, ce serait bien. Attention que ce ne soit pas le vôtre. Qui est plus fragilisé que l'autre, ça devient très embêtant. Parce qu'une dame et deux tours, mais même une dame et une tour, c'est hyper puissant pour attaquer un roi. Ça, c'est le plus important. Deuxième critère, ça va être pion passé. Enfin, activité des pièces, bien sûr, en fait des pièces et puis on passait en troisième. Euh, structure arrive en quatrième. En fait on est très très proche de l'échelle euh, habituelle. Au matériel, matériel bien sûr, mais, euh, mais c'est moins important, franchement, le matériel. Une dame et deux tours, c'est tellement puissant que... Ça peut jouer pour un pion, mais pff, imaginez vous avez un pion de plus et il reste dame et deux tours sur le jeu. Vous comprenez que ça va être très tendu de gagner grâce à votre simple pion de plus. Votre adversaire, il va, il va se battre comme un beau diable avec sa dame et ses deux tours. Ok, donc ça on le garde en tête. Dame 7, attaque le pion. Tour G3, menace le mat. Tour G6, défend le mat. Tour 3 il triple en troisième rangée. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui triple en troisième rangée Normalement on triple sur une colonne ouverte. Ou semi-ouverte. Tour 8, H3, enlève le bas du couloir. C'est sage de la part du Pacifique, car lâche Terre. Ouais, Tour prend. Puis on prend, on reprend vers le centre. Si vous ne savez pas trop comment reprendre, à chaque fois dans vos parties, vous vous dites ah franchement j'ai deux possibilités, je ne sais pas. Dans le doute, reprenez vers le centre. 9 fois sur 10, ça fonctionne. Et vous avez un conseil de la semaine à ce sujet, si vous voulez approfondir un petit peu la question. Au lieu de tour des 5, ED semble bon également. Nous dit Lucie. Ah, bonne question. Qu'est-ce qui se passe si on fait Pion prend Je pense qu'il ne devrait pas échanger les tours et donner la colonne, plutôt faire dame d 7, un coup logique, et préparer du tour prend, tour prend, tour 8, essayer de liquider la position. Peut-être qu'on peut anticiper ses variantes en faisant un G3 ou un H3. Et lui il doit s'occuper de ça. Et il a le couloir lui aussi, peut-être qu'il doit l'enlever. Ok, ça a l'air assez égal, non Bien sûr, le pion est plus avancé, il donne de l'espace. Mais est-ce que. On va faire quelque chose de cet espace, sachant qu'il y a une colonne ouverte en E Ça, c'est pas très clair pour moi. En fait, la position des pions est devenue un peu symétrique en effet FIVOS, à l'exception quand même. Que la symétrie présente une différence c'est que le pion blanc est très avancé et ce qui est difficile de savoir c'est si ça nous permet de jouer pour quelque chose ou pas je vais mettre un petit coup d'ordinateur ici et il met 0,3 pour les blancs 0,2 ouais donc c'est presque rien en fait alors qu'après tour prend des 5 il donne 0,2 c'est exactement pareil donc vous pouvez le tenter aussi c'est juste que sur le principe, euh, on nivelle pas la position. On garde notre pion au centre. On ne laisse pas la possibilité d'échanger les deux tours, en fait, sur la colonne. C'est un peu plus délicat pour, pour lui à jouer. On met une pression ici. Euh, il sait qu'il n'a jamais trop envie de faire ça parce que son pion devient très faible. Il doit gérer un petit peu plus de pression que quand on, on prend avec le pion. C'est bien de garder cette semi-ouverte pour l'instant. Et bonsoir Josox, qui nous dit compliqué de trouver un plan. Héros F8 d'Emmanuel Lasker, prise prise, ok donc on reprend vers le centre. Dame B4 attaque le pion, et finalement il fait le coup que j'avais mentionné délicat. C6, alors il faut savoir une chose sur Emmanuel Lasker, si vous ne le connaissez pas trop. C'était, je l'ai dit au départ, un combattant, et il était prêt à faire des concessions pour déséquilibrer les parties et essayer de pousser ses adversaires à la faute. Il n'avait pas peur de jouer des positions un peu inférieures, mais il considérait qu'il avait quand même des chances de gagner la partie face à ses adversaires, puisqu'il avait plus de ressources en général et plus de niveaux. Alors c'est pas vraiment une majorité du coup, Pascal, on va appeler ça juste un pion dans le centre par rapport à l'adversaire. Je sais pas si on peut l'appeler majorité. Majorité centrale, mais bizarre un peu comme majorité centrale. Parce qu'il est un peu tout seul, et si on veut créer vraiment la majorité, ce sera comme ça, mais après on va se créer un pion isolé. Et en plus on va fragiliser notre roi, donc là j'ai l'impression que c'est plus un pion dans le centre, quoi. Ça reste pas énorme d'ailleurs. Et donc il a fragilisé son pion D6 pour toujours. Et le Scare était fort en finale, oui. Donc B6, on pouvait s'attendre à un coup comme ça. Peut-être qu'il n'aimait pas dame B5 et perdre du contrôle ici. Oups. Avec la tour qui peut. Alors il faudra s'occuper de ça. A voir si à un moment on pourra faire F3 sans subir des problèmes de clouage. Et si c'est le cas, on pourra essayer d'appuyer avec la dame sur les faiblesses ici qui ont été créées. À combien il estime cette position par exemple 0.0. Merci l'ordinateur. Et donne soit A5, tranquillement. Soit même A5. Okay. Merci pour ce 0.0, très attrayant. Donc il tente C6. Dame A3 attaque le pion. 6 protège le pion. Dame B3. Tour D8. C4. Une sorte d'étau de Maroxy contre la poussée des 5. Tour D7. Dame T1. Dame 5 Bonne dame centralisée pour la scare. Par contre la tour est un peu triste là-bas. Euh, dans l'idéal, euh, Schlechter aimerait défendre ce pion et ce pion qui est attaqué et faire tour des trois. Pour l'instant, il attaque la tour. Et La Scar décide de la défendre avec son roi. À l'ordinateur. Alors, Nater, euh... Alors ici tu dis euh, que c'est les géantages blancs, euh, Pascal. Bah, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait cet avantage en fait sur A5 par exemple. Est que est le problème, c'est que c'est extrêmement concret comme jeu, c'est ce qu'a compris l'ordinateur. Et la seule faiblesse, elle est ici. Euh, nous, on a ça à gérer aussi. On peut considérer ça comme une faiblesse parce que dès qu'on va faire F3 pour la tenir, on va fragiliser notre 3 pour assez longtemps. Donc c'est délicat cette histoire. Donc je pense que ça compense. Et je ne suis pas convaincu de l'avantage blanc. Si on se base juste sur la présence du plan E4, c'est purement théorique, du coup. Ouais, concrètement, il y a trop de difficultés pour créer quelque chose avec les blancs, ici. En plus, si on considère que ça c'est une faiblesse, on suppose qu'il peut assez facilement se mettre comme ça, par exemple. Mais déjà, on a un problème, rien que pour doubler. Parce qu'il y a ça qui traîne à chaque fois. Euh, et un 3, en fait, dès qu'on va commencer à jouer sur l'aile le 3, il va dire et Ne m'oubliez pas, parce qu'il y a une dame et une tour en face. On était là et il défend la tour avec son roi. Le deux. Ok, donc là il défend tout. Et Emmanuel Asquer continue à marcher avec le roi. Bonsoir Romain. <laughs> Sox qui prend un grand risque en disant qu'il est d'accord avec l'ordinateur. Mais fais toi car parfois... Je vais dire que l'ordinateur dit n'importe quoi. Ça va arriver. Dame des deux. 3 C7. Retenez une petite chose. Le roi est très utile et efficace en général pour défendre des pions faibles. Il défend D7, il défend D6. Ces deux-là, de toute façon, n'ont pas besoin de défense car il y a déjà le pion qui les défend. Donc il défend les deux pions faibles. Et il n'est pas facile bah, à toucher, ce roi. Patrick, cette étude est déjà en lien dans la description. Et oui. oui. Lascar a décidé de faire un grand roc artificiel après avoir fait le petit. Ouais, on peut dire ça. Les noirs semblent bien maintenant. Ça va. Ils ont toujours un petit problème d'espace, mais ils sont très solides. A3. Tour 7. B4. B5. Question. Que pensez-vous de ce coup Est-ce que Joachim stream des fois le samedi ou jamais Pour ceux qui sont habitués. Pascal, ce coup affaiblit le roi noir. Poupoudave, si ça marche, ça bloque tout. Lucie, très joli coup. P5. Sylvain, ça laisse potentiellement la dame rentrer et le roi est faible. Jules, c'est à double tranchant. En effet, Jules. Romain, jamais le week-end. Ok, merci Romain. Samir, fixe le pion à 3. Mmh, ok. En fait, est-ce qu'il avait peur que les pions se lancent comme ça Il veut éviter ça Peut-être, mais il veut éviter ça. Suivit ça plus tard. La règle dit plutôt qu'on évite de toucher à ses pions du roc quand il y a roc opposé. Bonne remarque de Josso. Pour deux raisons. Tout à l'heure, on a Pascal qui va précisé que finalement, Lasker avait un petit roc au début, on avait des rocs de, du même côté. Et il a emmené son roi vers les dames ce qui fait comme un grand roc, et du coup, on est tombé en roc opposé. Roc opposé, on sait qu'il peut y avoir des dangers sur les rois, la règle veut d'attaquer le roi l'adversaire. Dame et tour, c'est pas beaucoup, comme pièce pour attaquer un roi. Mais, il y a quand même une dame dans l'histoire. Ça peut attaquer un roi. Ça reste dur de créer quelque chose. Et normalement, on évite de toucher les pions du roc, de son propre roc, en roc opposé. Exactement. C'est une règle très importante. Si, alors, basse. Si CBAB, -B, les noirs sont bien, me semble-t-il, Lucie. C'est la partie objectivement égale selon Romain. Très dur de savoir si c'est égal ou pas. C'est assez équilibré. Oui, ça c'est vrai. Mais pour dire exactement ce qu'il en est, pas facile. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que quand il y a dame de tour contre dame de tour ou dame tour contre dame tour, il faut faire très attention à la sécurité de son roi. Donc, comme l'a très bien dit euh, Romain, me semble-t-il, et Jules aussi, c'est un coup à double tranchant. Ici, euh, c'est dangereux. Il y a Sylvain qui l'a dit aussi. Moi, euh... ouais, ce pas Romain, je t'ai donné une bonne réponse. Romain bonus, qui n'existait pas. Alors, est-ce que j'arrive à identifier des plans là On peut imaginer plein de plans. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, on peut considérer que le roi est relativement safe. Alors, je vais juste enlever ces notifs là. Dans un rock normal, ça se vaut en fait, les rocs ici. Et oui, c'est vrai que les blancs vont essayer d'ouvrir. Mais quand on fait B5, si on allait fait ça, je vais lui dire Fais très très attention à ton roi Tu es en train d'ouvrir une colonne semi-ouverte sur ton roi. Et t'es en train d'avancer tes pions de protection. Maintenant, ce qui est très intéressant et complexe dans cette partie, et c'est une des parties importantes de championnat du monde de l'histoire des échecs. c'est une des parties. C'est la, la, la partie... Il y a deux parties seulement décisives dans ce match, en dix parties, c'est une des deux. Et ça a failli modifier l'histoire des échecs, cette partie. Enfin, c'est surtout la dernière du match, bien sûr, mais déjà, celle-là, c'était celle qui avait commencé à faire pencher l'histoire des échecs dans une direction qu'on ne connaît pas, puisque, au final, Emmanuel Esquerre est resté champion du monde. Mais ce qui est difficile, c'est que les Blancs, ils doivent se dire « Je dois emmener Madame et ma tour sur le roi ». Mais la tour est toujours occupée à défendre le fameux pion du centre. Et dès qu'on va faire F3 pour essayer de le barricader, on va fragiliser ce roi sur les cases noires. Donc le pari de la c'est de dire les blancs sont occupés à deux choses. Le pion E4, protéger le pion E4, et s'occuper de leur roi. Ce qui est délicat avec les Blancs, c'est qu'ils peuvent pas dire j'emmène à fond madame et ma tour, attaquer le roi, parce qu'ils risquent de rester avec leur propre roi, qu'ils se faire attaquer par les noirs. Et pour répondre à la question de Romain, c'est difficile de donner des plans pour les deux camps ici. Emmanuel Lasker, il, 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 il en a un peu marre de faire des matchs nuls contre Schlechter, et il veut essayer de provoquer des déséquilibres. C'est ce qu'il a fait quand il a emmené son roi sur l'Eldame, puisqu'il a créé une position de roc opposé, qui est toujours plus tendue que roc du même côté. Et quand il fait B5 ici aussi, G3. Encore une fois, un coup très solide et harmonieux de la part de Schlechter. Il empêche la dame de surveiller H2, donc il est sûr qu'il n'y aura jamais de mat du couloir maintenant. En plus, il aura peut-être un F4 un jour, mais ça il faudra faire attention, parce que dès qu'on va le faire, on va fragiliser le roi. G5. M de Lasker qui préfère éviter F4. Roi G2. Tranquille. Le roi défend le pion H3 qui n'était pas protégé. Donc, ça améliore forcément mécaniquement la situation. Tour 8. Dame D1. F6. Donc, à noter que les deux joueurs, contrairement aux cadences modernes, sont sans doute beaucoup moins pressés par le temps. Ils ont une heure tous les 20 coups qui, qui, qui revient. La dame noire est magnifique au centre. Et justement, il s'assure de la stabiliser en ne se prenant pas F4. Dame B3. Peut-être une petite entrée, peut-être un petit A4. Pour rebondir sur ta question de nouveau, Romain, euh, quand on se met ici, on doit penser au levier de pion, toujours aux échecs. Toujours, toujours, toujours. Ça me rappelle un exo que j'ai fait hier avec un élève. Et la réponse c'était un levier de pion, alors qu'il n'y en avait que deux dans la position. Et il a cherché plein, 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 plein de choses, sauf ce coup. Et malheureusement, c'était la réponse. Donc un des derniers levées de pions, des blancs, enfin le dernier de la dame, c'est celui-là. Il y en a un là qui pourrait être très fort si la dame s'en va un jour. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il n'a pas voulu euh, laisser F4 parce qu'un F4, s'il ne faisait pas G5, pouvait aboutir plus tard à un E5. Et un E5, ça, ça s'en prend à la protection du roi. La protection du roi qui est déjà fragilisée parce qu'elle a avancé. Donc il doit faire gaffe à ne pas à se prendre des A4 et des E5. Côté noir, c'est un petit peu plus délicat d'aller toucher le roi euh, parce que les pions sont un peu disloqués. Et on voit pas trop comment faire des leviers. Enfin, levier G4, c'est... Ouais, levier G4, on peut peut-être l'envisager un jour, avec sur réponse H4, levier G5. Mais c'est délicat à faire, hein. pour l'instant on est capturé. Donc faudrait faire un dame 6, mais du coup on va perdre notre position centrale. Peut-être que si on perd notre position centrale, lui il va profiter pour faire un coup de dame là et menacer l'entrée là là-bas. C'est un peu des coups d'attente. En fait, on ne peut pas appeler ça des coups d'attente. Chaque joueur essaie d'améliorer sa situation. En fait, d'ailleurs, le coup d'attente, que j'entends de temps en temps, c'est un truc très rare aux échecs. Peut-être le meilleur exemple de coup d'attente, c'est quand un amateur joue un coup un peu au pif pour attendre parce qu'il sait pas quoi faire. Quand vous donnez une position à un maître, il va toujours trouver quelque chose d'utile à faire. Donc pratiquement, il n'y aura jamais de coup d'attente. Le seul cas que je vois, c'est quand par exemple un joueur euh, est pris par le temps et il répète les coups, et il répète la position deux fois, alors on peut dire qu'il qu gagne du temps. Donc il est en, un peu en train d'attendre, mais enfin, ce n'est pas qu'il attend. Qu après, il a prévu de continuer la partie, mais en attendant, il fait un petit aller-retour, il attend de voir ce qui se passe, euh, il attend de voir si l'adversaire veut jouer autre chose, et parce qu'il veut euh, récupérer du temps à, à la pendule. tout de suite, le dame B3 semblait pas mal selon Lucie. Ok, on va y revenir. Et bonsoir Farid. A la place de G5, ne pouvait-on pas jouer dame 6 Ah, bah, j'ai répondu sans faire exprès, du coup, je l'avais pas lu, mais. Il l'a joué après dame 6, de toute façon. Euh, ici, dame 6. Attaque le pion, mais ok, des défend le pion. Et on a perdu la position centrale avec la dame. Voir si là, on a des choses intéressantes à faire ou pas, parce que ce qui est bien organisé dans la position de Karchester, c'est que tout. Protégé sauf sa dame, mais ça c'est pas grave. La tour protège ici, roi protège ça maintenant. Ok, faudrait passer comme ça pour essayer de créer une petite menace. Bon, elle se voit venir de loin, euh, elle a pas l'air très dure à parer. Euh, on suppose un petit h4, mais ouais, ce serait au moins quelque chose comme ça. Avec si balancer un g5, oui, des petits coups d'amélioration, c'est souvent ce qui va faire la différence entre les amateurs et les maîtres. Il a que F5 pour les Noirs, si les Blancs avancent F3. Dame b 4 alors maintenant le coup de... Dame D4, ouais, Dame D4, voilà. Et Dame D4 de nouveau qui risque... qui fait une attaque, double attaque, comme le mentionne très bien euh, Samia. Ça menace en tout cas, c'est au Noir. Et peut-être tour 8, Dame D4, voilà. Et il n'a peut-être pas le temps de jouer ça, parce qu'il se prend ça. Et il a un problème, parce qu'il est menacé de perdre sa tour, derrière. Faudrait il faudrait qu'il fasse ça. Alors, en gros, ça va pas trop le faire, quoi. Oui, on le fait comme ça. S'il fait ça, il perd sa tour. S'il fait ça, il est obligé de faire ça, du coup il se fait raser ça, du coup il est rasé. Ok, g 5 roi 3G2, tour C8, le tour 8, dame D1, F6. On était là tout à l'heure, il y a eu Dame B3. Et Lucie proposait A4. Il l'a fait trois coups plus tard. Mais oui, peut-être que on pouvait y aller. Je vois pas d'obstacle. Dame c4 à la place de tour 8. Dans la variante alors, tu voulais dire Farid. Dame c4 c'est pour faire quoi Attaquer le pion. Okay. Alors, est-ce que 5 ça va quelque part Semble-t-il que non. Je sais pas si de jouer ça. Essayer de préparer ça. Je vais dire ça. sûr qu'il ait beaucoup de coups d'ailleurs. Ça, discutable. Hein Peut-être ça, mais du coup, sur échec, on pourra repartir tranquille. Ok, que faire avec les blancs Pas facile. Je mets ordi. Ah, il dit qu'il faut faire F3 ici, sinon on est un peu moins bien. Je vous montre. Bon, enfin, il dit on dit qu'on peut faire dame 1, on n'est pas beaucoup moins bien non plus. Mais propose F3 plutôt. Je crois toujours une concession par rapport au roi. On vient d'ouvrir la deuxième rangée. Faut faire attention, il y a une dame et une tour en face. Plus tard, ça peut nous coûter cher. On donne l'égalité ici. Ok, et A4. Qu'est-ce qu'il en pense Il met encore 0-0. Il est à P3, de toute façon, il met 0-0 aussi. Ah, il préférait ton A4, Lucie. Mais bon, c'est marginal, il met 0-4 pour les noirs. Après dame 6 qui a été joué par Amine Lasker. Moins il y a de pièces, plus c'est difficile, j'ai l'impression. Il y a un côté comme ça aux échecs, oui. Parce que, enfin, il y a le contraire aussi. Quand il y a plein de pièces, c'est dur aussi. Parce qu'il y a plein de pièces à gérer. Mais très peu de pièces, il faut bien les manier. Parce qu'on en a très peu si on fait un peu n'importe quoi avec l'une d'entre elles. Soudainement, notre position devient mauvaise. Vous connaissez cette fameuse citation Une seule mauvaise pièce et la position est gâchée. Et salut à Frédéric depuis Mexico City. Bienvenue Frédéric. Dame 6, dame D1. Ok, qu'est-ce qui se passe s'il change les dames ouais, Il va y avoir euh, une finale un peu mieux pour les Noirs. Probablement, car le coup C5 arrivera tôt ou tard. En plus, on doit toujours s'occuper de ce truc pour l'instant. C'est un petit peu agaçant on fait rf 3 quand même et il y a des questions qui se posent un peu épineuses sur la finale de pion par exemple et s'il la joue plus safe il joue ça et il crée un pion passé c'est mieux pour les noirs voilà pourquoi il change pas les dames c'est un peu mieux pour les noirs après alors déjà on va peut-être mettre encore 0 0 ou 0 5 ça, ça rien mais quoi ici ah non il est un petit peu plus généreux mais plus +0,9. 1 voilà la finale un peu mieux pour les noirs donc bien vu de Karl euh, oui je voulais dire qu'il y avait peut-être aussi ça avec non passé bon faut être très précis mais est ce que ça gagne par curiosité 0 0 ok donc faut plutôt jouer c5 voilà on reste à plus 1 hein. et le jeu de dame d 1 F4 n'est pas possible. Mmh. Ah, pour l'instant, on ne veut pas changer les dames. Ah, tu veux dire avant Ici. Ok. Ouais, c'est un coup. Euh... C'est dur à juger. De hein. toute façon, ça n'a pas modifié l'évaluation le, que les noirs sont un peu mieux dans tous les cas. Hein. Par exemple, prise isolé on va pas faire de ton passé avant belle lurette euh, euh, et sur des 5 ou des Ouais, sur des 5 par exemple ou des d5 Un petit peu agaçant à gérer bien calculer aussi la finale ok donc il y a eu dame d1 il y a eu tour h8 la fameuse menace sur h3 il s'est défendu avec g4 cette fois et eh oui parce que comme il avait fait g5 il n'y a plus de h4 tout à l'heure j'avais cité une vente avec h4 mais il planté en g6 Dame C4 Bienvenue à ceux qui rejoignent entre-temps. Il est 22h passé, on étudie la cinquième partie du match de championnat du monde 1910 entre l'autrichien Karl schlechter et l'allemand Emmanuel Lasker, champion du monde en titre. à ce stade, les quatre premières parties se sont soldées, soldées par le match nul. On est au 38e coup de la partie, et c'est assez chaud, parce qu'il y a dame et tour de chaque côté. C'est dur de percer pour les deux joueurs. Le dame C4 de Farid est sur l'échiquier. A4. Le coup de Lucie, mais tout simplement le coup thématique. C'est-à-dire, on rappelle que quand il y a une dame et une ou deux tours sur l'échiquier, je vais le simplifier comme ça. C'est très important que les rois soit bien sécurisé. Car si une dame et une tour arrivent sur un roi mal sécurisé, vous comprenez que ça va mal se passer. Bien sûr, l'enjeu ici, c'est un peu de savoir s'il y en a un des deux qui va arriver sur le roi de l'autre, en plus c'est un roc opposé, de manière décisive. Sans que l'autre n'arrive sur son roi avant, non, comme un roc opposé. Euh, je peux vous dire qu'il y a encore du chemin. Donc je vais en profiter pour aller recharger, monter, et ça vous fait peut-être une mini pause, une respiration de deux minutes. Et on reprend sur le champ. A tout de suite. Mais ici, nous dit Lucie, A4 ne paraît pas bon. Les noirs jouent pion-prend, suivi de tour P8. Je suis d'accord, bizarre de jouer à cas à ce moment-là, nous dit Joe Sox. T'as prend B4, gagne un pion, nous dit Samir. Fivos. Après ce dit Sylvain, on peut dire le contraire, que justement, maintenant ça paraît bon, car les pièces noires sont moins bien organisées et on va fragiliser la défense du roi noir. Donc si vous vous souvenez du début, le matériel est moins important. Oui, mais comme l'a dit Lucie, répond Josso, la tour revient facilement B8. Eh bien, je vois que vous pensez un peu comme les joueurs dans cette partie. Pourquoi il fait A4 Donne un pion exact. D'ailleurs, c'était capturé par le goulu Emmanuel Lasker. Mais il veut ouvrir des lignes, que ça soit la c. Alors la C, vous allez me dire, la était déjà ouverte, donc je vous l'accorde. Et c'était clairement une ligne qui pouvait être utilisée dans un petit dame des deux tours C3, des choses comme ça, avec des, des, des choses qui se ciblent sur le roi. Même à partir de là, hein, bien sûr. C'est juste qu'il y a ce fameux pion 4 à chaque fois, et encore, maintenant la tour est partie, mais tout à l'heure elle mettait une fichue pression sur ce pion, c'était pénible, et on ne voulait jamais vraiment faire ça parce qu'on n'avait pas envie d'ouvrir la deuxième rangée, qui est toujours très importante quand on en affronte euh, une dame et une tour. Déjà pour les finales, c'est un peu pénible. Alors, euh, avec une dame, c'est encore pire. Mais il veut ouvrir la B ou la A, qui sont pour l'instant fermées de son côté. Foupoudave, comme l'a proposé Lucie tout à l'heure, A4 était jouable au coup numéro 36, deux coups plus tôt, ici. C'était un bon moment pour le tenter. L'ordinateur était d'accord, c'était un équilibre. Ok, quand l'ordinateur donne un équilibre, il ne dit pas toutes les implications qu'il y a derrière. Qui fait A4 On va regarder la variante de Lucie. Prise tour b8 oui attention à la menace de tout à l'heure je l'ai cité échec le roi recule sur la huitième et re échec choppe la tour en h8 en plus ici c'est relativement stabilisé solide donc tour b8 était proposé que tient-il ici Qu'advient-il? Pardon. Daf qui propose de faire un échec ici, puis foncer là-bas vers les rois. Il y a un peu d'idées. Ça m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas si c'est très concluant. Dama 5, f 5, même idée pour Jules. Yaïko, Damas 7, il y a tour B7. Damas 7, il tour B7. Alors, on peut menacer passer derrière. Un peu la même idée que tout à l'heure, qui était mentionnée. Un échec ici. En plus, euh, si joue sur une case blanche, c'est sur échec quand même. S'il fait... fait quoi Il fait ça. Peut-être qu'on peut... Ah non, la tour est occupée encore à défendre ce pion. Peut-être dame F5, effectivement. S'il prend... Comment Il prend, il prend comme ça, peut-être Et maintenant, on fait quoi Ça. On suppose qu'il doit revenir passivement avec sa dame. Maintenant, on a protégé correctement. On peut commencer à basculer la tour. Il a Je ne pas si on quelque chose, d'ailleurs. Il peut peut-être couvrir comme ça. Mais vous voyez, si l'adversaire est obligé de reculer ses pièces... C'est quand même intéressant pour les blancs parce que pendant ce temps ils vont pouvoir avancer. C'est un principe important de l'initiative aux échecs. Quand un joueur avance, l'adversaire il recule et alors ça peut être un avantage pour celui qui avance. Par curiosité, quelle est l'estimation de l'ordinateur ici Moi j'ai l'impression que c'est pas clair du tout cette histoire. En fait, pour moi, le roi noir va jamais avoir la paix dans cette partie. Le pion passé, c'est celui-là. Mais s'il commence à avancer, alors le roi noir va encore moins avoir la paix, comme a dit l'ordi ici, par exemple. Je vous montre, parce que c'est un pion de plus et il est passé. Et pour l'instant, le roi noir, sa sécurité est stabilisée, oui, on peut dire ça. Bah, je vous montre. Non, ouais, il disait Dame G6. 0-0. Euh, considère que malgré un pion d'avance pour les noirs et un roi, à peu près ok pour l'instant, c'est un équilibre ici. Bonjour Omega, bienvenue. J'enlève l'ordi. En fait, dès que je le mets, je vous montre. Le reste du temps, ça veut dire qu'il n'est pas allumé. Ou quand je vous donne une éval. <laughs> ça peut arriver, mais. Dès que, dès que je l'allume, vous êtes au courant. D'un prend a été joué. Ok, prise. D'un prend. Finalement, ça revient à peu près au même que si il y avait eu prise à 4 puis tour B8 et qu'il avait rasé B4. Même, on pourrait dire. C'est encore mieux de faire comme il a fait, puisque la dame n'est pas en train déjà de rentrer là-bas, là-bas, faire un échec, d'accord C'est vrai que quand on fait, puis on prend, comme vous l'avez proposé, la dame obtient des possibilités supplémentaires. Et c'est fini, elle a fini ici cette dame. Donc mieux a priori de faire comme il a fait. Pion doublé pour les noirs, c'est équilibré. Un ah, pion doublé, c'est pas très important ici. C'est pas très important du tout les pions doublés. Au contraire, je trouve que ce pion est très fort puisqu'il gêne beaucoup les pions blancs d'avancer. Il arrière ce pion sur la colonne. Il est très bien ce pion. Il empêche ce pion de venir aider ce pion. Du coup, ce pion se retrouve un petit peu tout seul. En tout cas, il pourra jamais avancer. Vous avez les blancs. Vous êtes Schuster, C'est le championnat du monde. Vous jouez quoi Romain qui nous dit "Maintenant, bah je préfère les blancs." Pion de moins. Toujours pour les blancs et toujours pion passé ici. N'oublions hein, pas. Dame B1 pour Romain. Ça se défend. Tu gardes un oeil sur le pion E4. Tu doubles sur B. Tu menaces rien pour l'instant. Mais la dame noire doit rester dans le coin. Dame B1 ou dame D4 pour Lucie. Dame D4 pour Jules ou dame F3 pour entrer sur case blanche. Donc voilà les coupes qui ont été proposés jusqu'à présent, et Jules qui voudrait faire l'entrée tout à l'heure sur case Blanche, probablement, ou par là, ça dépend. Dame C1 pour Samir qui fait son original. Pourquoi Dame C1 Ah, pour tour à 3, je suppose. Mais est-ce que ça fait quelque chose de spécial après ça Pas clair. C'est un coup. C'est un coup. Dame D4, qui a beaucoup de suffrages. Pascal également. Un œil sur la 7ème rangée pour soutenir Tour A7. Ah bah, Tour A7, on n'y est pas encore, mais alors ça veut dire quoi Ça Ça. Avec la dame en D4. Dame s 3 off course pour Choupoudave Tour A8 pour Oméga. Euh, C'est pour les blancs, Oméga, ici, pour l'instant. Et oui, il pourrait y avoir Tour A8 comme réponse pour les noirs, en effet. On menace tour à 3. Sur Dame C1 par exemple. On peut faire peut-être tour à 8. Dame F3 pour tour à 3 Pour Yaiko. Ok, juste pour dire que tour à 3, c'est pas incroyable. Après, c'est réactionnel. Dame sur F3, c'est pas mal parce que s'il revient, on peut revenir. Mais est-ce qu'on veut faire nul Ou quoi Et lui, il peut toujours aussi mettre cette tour quelque part par là pour euh, s'opposer. Dame D4, up pour Jérémy également. Ou tour D3, puis dame D3 pour Jules. Dame D2, oula, vous avez beaucoup d'idées différentes. Dame 3, dame 5. Ok, il a joué dame D4. Donc, bravo. Vous étiez majoritaire à avoir trouvé le coup de Karl Schlechter. Cependant, personne n'a trouvé un coup très intéressant. Et retenez-le, un des coups importants à retenir même s'il n'a pas été joué, peut-être que ça aurait donné du jeu, plus de jeu, que dans la partie au blanc. E -S -S Est-ce que ça confirme ton hypothèse ou pas, Et je sais je que so, si tu l'as trouvé avant que je le montre, bien. Jules, j'ai regardé mais j'ai rien vu qui me semblait intéressant dans E5. F prend nous dit Yaiko. Avec ma souris J'ai pas trop compris. Je pense pas l'avoir monté. Personne a proposé le coup. Et bonsoir Serge, bienvenue. Un peu au pif à l'aide de ce que tu disais. Alors, quelle est l'idée de 5 C'est ouvrir encore des lignes pour essayer d'aller toucher le roi. On est prêt à donner un deuxième pion pour ouvrir. Si DE, ah, il ne reste plus qu'un malheureux pion de défense au roi, ça craint un peu. Et déjà, on peut envoyer du tour D3, qui tout à l'heure était déjà un coup, s'attaquer le pion. Mais maintenant, c'est tour D7. Et ça, c'est plus, plus méchant déjà. Donc on peut supposer prend comme l'a proposé Yaiko. Et maintenant, est-ce que vous voyez des possibilités supplémentaires? Créé par ce sacrifice de pion. Jules qui dit qu'il n'y a pas envie de prendre. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on fait Tu veux faire des 5 ouais, J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle, parce que n'oubliez pas aussi que ce pion a été un problème depuis tout à l'heure pour les Blancs. Alors maintenant, ça va mieux. Mais depuis tout à l'heure il était attaqué par les Noirs, on devait à chaque fois le défendre, la tour était obligée de rester sur E3 et on n'avait pas envie de faire F3. C'était une galère. Donc finalement, s'en débarrasser, c'est une bonne nouvelle. S'il si fait D5, déjà si on échange sur F6, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Car il y a quand même un pion faible ici. Il y a une, une ligne qui s'est ouverte par là. Même déjà dans F3, c'est agréable. On a toujours le petit idée de ça. On a des idées supplémentaires, on peut toujours rentrer, on attaque le pion pénible, n'est-ce pas Donc ce serait FE. Et comme vous l'avez dit sur le chat, ça a ouvert une ligne ici. La colonne F. Voilà, en plus, ces deux pions, euh, enfin, surtout celui-ci a été fragilisé. Celui-ci en arrière aussi. Euh, mais ça, c'était déjà le cas tout à l'heure. On l'avait ciblé avec Dame G6. Ah, on n'est pas content. Ok, Jules, j'ai compris. On, a pas envie... on en est bien obligé de prendre, mais on ne voulait pas. Mais... En tout cas, c'est Dame F3. Ok, on va regarder maintenant l'ordi. Alors pour l'info, donne toujours 0-0 sur Dame F3. Et est-ce que vous comprenez la différence entre les 0-0 On a beaucoup de 0-0 depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous comprenez qu'on se prend un coup comme ça avec les noirs On doit faire super gaffe. Alors est-ce que c'est tour D8 Ça peut être un coup. Il dit qu'il y a plein de coups, il dame C4 aussi. Ok, c'est vrai que ça empêche l'infiltration. Et ça met une pression sur la tour. Et ça peut arriver sur des cases comme ça pour essayer de toucher le roi. Ouais. Donc il y a un équilibre ici. C'est un équilibre terrible. Et selon l'ordi, c'est même peut-être les blancs qui doivent faire gaffe à ce qu'ils font. Et moi je voulais voir tour des 8. Tour à 3. Ok. Check. menace de, des fois de rentrer comme ça et de menacer là ce serait terrible ça pourrait être terrible ou des fois comme ça mais attention roi, abandonné comme je vous avez dit quand on emmène la dame et la tour vers le roi de l'adversaire des fois notre propre roi est abandonné il faut pas qu'il fasse une contre-attaque bon là avec des pièces un peu loin ça va et donne ses 5 ou tour d8 ok donc ça peut se finir en nul par exemple comme ça et il dit qu'il faut absolument faire ça parce que si on joue un coup comme ça D'ailleurs, on aurait pu le faire par Dame F7, il n'aurait pas pu parce qu'il aurait eu le tour P3. C'était plus précis. Mais même là, il est juste en jouant Dame F7. Et en même de gagner une Dame, ce pas facile pour l'adversaire. S'il fait D5, on prend là et maintenant, on attaque sur échec. C'est une galère pour lui. C'est une grosse galère. Comment il défend Vous avez compris que s'il fait Dame C7, il perd une Dame. Ah. Il fait ça, il est mat donc terrible. Donc E5 était très intéressant. Ça ne lui gagnait pas, c'est très intéressant. Je joue d'un des 4 tour 8. Plus facile à jouer pour les blancs, exact. Yaïko, non, j'ai pas pu faire le live Twitch, Serge, parce que j'ai oublié que j'avais le live et j'ai lancé avec du retard et tout. J'ai pas pu m'en occuper. Prochaine. La différence entre les 0-0, c'est qu'un humain ne calcule pas comme un ordi. Et ouais. Surtout en 1910, hmm, Oui, un peu moins précis dans le calcul, mais plus de temps à la pendule, donc ça compense un peu. <laughs> et, et attention, ça jouait très bien, hein, contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire. C'est assez monstrueux le niveau. Déjà, à partir d'Emmanuel Lasker. Et ça n'a fait qu'augmenter. Quoique, des fois ça stagnait. Tour B1. Petite imprécision. Tour 5 bien joué d'Emmanuel Lasker qui adore faire des manœuvres comme ça pour défendre. Maintenant, sa tour va pouvoir couvrir sur des cases comme ça. En cas de tour A. Parce qu'il voulait faire tour A1, tour A7. D'un B4. Menace de rentrer là-bas. Mais d'un B5 bloque je hum, suppose qu'il aurait pu aussi le tenter avec la tour je vois pas de problème juste ça allait sans doute partir là dessus ok les noirs ils sont embêtés parce qu'ils ne voudraient pas trop échanger les tours pour jouer une finale de dame c'est dur à gagner une finale de dame comme ça la dame blanche va essayer de toujours passer derrière pour attaquer les pions et le pion est loin de se transformer je vais jouer dame b5 plutôt dame 1 quand même et Dame D3, attaque ce pion. C'est pénible. On retrouve, c'est marrant parce que le. Mince. Merci. Merci, Jules. Pascal nous dit Schlechter a déjà sacrifié un pion pour l'initiative. Difficile pour lui de sacrifier encore un deuxième pion. On peut prendre exactement l'argument inverse, Pascal. Comme il a déjà sacrifié un pion, bah pourquoi pas en sacrifier un deuxième Merci, Anso. aussi. Ok, donc j'étais en train de dire avant de me rendre compte avec Effroi que j'avais laissé les deux coups temporairement, mais ça va, c'est réglé. Que notre pion E4 avait été laissé tranquille pendant quelques coups, et de nouveau, on se retrouve avec notre problème de tout à l'heure avec la pression sur le pion E4. C'est agaçant. Dame C4 peut être sur tour B5. Yes. Bien vu. Coup d'âme. Clouage, la menace d'infiltration de l'autre côté. Exact, c'est horrible. Dame B5. Dame 1. Dame D3. Tour B4. Il est obligé de défendre latéralement. C'est pas très agréable c'est 5 avantage pour les noirs il y a un combat il y a un combat et dans les combats Emmanuel Lasquer est vraiment redoutable vous avez vu les... il, y avait... il y avait une phase un peu d'observation les noirs ils ont temporairement reculé et il y a eu un petit peu des coups imprécis de Schlechter, des coups un petit peu mous tour B1 vous voulez faire tour 1, mais il a sans doute raté cette réponse de l'adversaire. Du coup, après d'un B4, mais il se fait embêter. A noter qu'il n'a pas envie de jouer la finale. Déjà, tour c'est un coup, mais puis on prend. Création d'un pion encore plus loin, puis on Mais le roi qui monte, euh, pénible, oui. un ah, Dator qui a une petite préférence pour pion prend, ouais. à peu près un point, il préfère, par rapport à tour prend Oh, il commence à resserrer un peu le truc. Et le pion passé qui se met en route, on dit que les pions passés sont faits pour être poussés Ah, selon son caractère pacifique, il pouvait peut-être pas sacrifier un deuxième pion. C'est trop pour lui deux pions de sacrifice. Ok, n'oublions jamais que quand on regarde les parties d'il y a longtemps, on a l'avantage par rapport aux joueurs d'avoir accumulé des décennies de connaissances aux échecs qu'ils n'avaient pas à l'époque. Donc, faut toujours se méfier de les juger. Faut toujours replacer dans le contexte. Tour à quatre. Exact Thomas, bien vu. Ce qui est marrant, voilà, il y a un gros combat. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se finir, cette histoire. Parce qu'il y a toujours une dame et deux tours sur le jeu. Et je, je répète une fois de plus, et je pense que vous l'aurez bien retenu, que tant qu'il y a une dame et une tour sur le jeu, c'est très dangereux pour un roi qui se fera attaquer. Et maintenant, certes, le pion passé se met en route. Et c'était une protection du roi ce pion. Alors attention au pion au roi. Et d'ailleurs, ça ne manque pas, comme dirait Joachim. Emmanuel Lasker se trompe en continuant à avancer son pion passé. En respectant la phrase, les pions passés sont faits pour être poussés. Et en plus, il se dit bon déjà, il coupe la défense latérale, donc il menace de s'emparer de ce pion. Il empêche le coup mentionné par Thomas Anko Échec. Donc on se dit c'est parfait ce coup. C'est nickel. Et en plus, il s'approche de la promo. Et peut-être qu'il va faire un tour C5 avec la tour derrière son propre pion passé pour le pousser jusqu'à la promotion. Il y a il et Foupoudaf qui voulaient aussi pousser le pion. Malheureusement pour eux, c'était pas la bonne idée. Est-ce que vous voyez la réponse est-ce que vous trouvez Parce que c'est vrai vous ne la voyez pas parce que je n'ai pas mis la liste des coups. Est-ce que vous la trouvez La réponse de Karl. Il est vrai que ces quatre paraît très bon Oh, on avait déjà les problématiques des rois faibles, Vivos, à l'époque. On va dire que c'est plus total, après, dans l'histoire des échecs qui a augmenté. Et Alekin, bien sûr. Alekin est à les deux grands attaquants, on peut dire, parmi les champions du monde, qui ont fait des attaques tellement fulgurantes que ça a obligé tous les joueurs. À augmenter leur niveau de défensif tour à 7 pour yaïko t'as 5 pour fivos mais mais toi prends 5 fivos et fivos euh... bah non évidemment je plaisante <laughs> ok tour à 7 puis tour g7 selon jérémy tour à 7 puis tour prends g7 attention parce que je pense qu'on va se faire échanger les dames et on a un pion assez monstrueux à gérer ici, passé, et il y en aura deux quand ce pion aura disparu deux pions passés, et il va venir aider l'autre et ça va craindre, et probablement qu'on va perdre cette partie Dame B4 pour Romain alors attention, parce que quand on emmène la dame on va se prendre la capture sur échec et là notre roi est tout seul et il y a une dame et une tour en face, donc faire très gaffe Bravo Poupoudave et Samir qui ont trouvé le coup de Karl Schuster. Dame A1. F3 nous dit Poupoudave. <laughs> Il a joué Dame Ok. Pour dire que des coups comme F3, c'est hyper dangereux. Encore une fois, on ouvre la deuxième rangée. Puis on voit des coups comme Tour B5, n'est-ce pas On essaie de rentrer ici. Et si on fait du Tour A2. Il va rentrer par là. Oups. Vérifions. Mortel. Ça gagne. Ah mince, c'est la tour. Plus simple. C'est la tour. Ah bah alors c'est beau parce que je vous ai dit, faites très attention quand vous avancez F3, la deuxième rangée. Et bing La deuxième rangée. <laughs> voilà. Je n'aurais pas joué dame A1, hein. peur. En fait, le truc, c'est qu'on est un peu obligé aussi. On n'a pas de coup. Dame B4. On va regarder ce que ça passe, ça donne. Alors, c'est jouable. C'est juste qu'après Dame prend. Déjà, on se dit comment on répond. Il dit qu'il faut faire F3, c'est le meilleur coup. Il faut être motivé déjà. Et il dit qu'il peut y avoir un petit Dame D4 qui empêche l'échec ici. La Tour empêche l'échec ici, donc on n'a pas d'échec. Et le meilleur truc qu'on a à faire, parce qu'attention, on va se prendre tour 2 et on va prendre cher là. On est mat, en fait, il menace mat. En quelques coups, notre pauvre roi va se sauver. S'il vient là, il est échec et mat. S'il vient en bas, il est mat de l'escalier. C'est mortel, mortel. Et donc il dit qu'il faut prendre ça. Mais du coup, vous avez compris qu'on a de nouveau une finale de tour avec un pion de moins, un pion passé, et le roi en plus qui, qui vient accompagner le pion. On va peut-être la sauver, mais on a du pain sur la planche. Ta main. Mais scare qui s'empare du pion. Roi H2. Il garde le pion F. Tour B5. Ok, pour comparer avec Dame B4. Roi H2, admettons. Voyons ce qui se passe. Je mets l'ordi. Ah, il redonne toujours Dame D4, qui surveille toujours Tour A7. Et qui menace en plus dame F2 qui ferait maintenant 2. Et c'est une galère. Ah, vous avez compris à la lumière de Devarend qu'on vient de faire. Pourquoi Dame c'est puissant Après Dame prend un 4, Roi H2, ou n'importe quel coup. Et il n'y a plus dame D4. Et en plus, même s'il y avait eu, on soutient Tour à 7 avec la dame. h 2. Et il fait tourner 5. Qu'est-ce qu'on a Deux pions de plus pour Emmanuel Asker Pas bah, lié Ça fait pas rigoler. Mais on est toujours conscient que le roi noir ne peut pas être considéré comme tiré d'affaire. Salut Samir, merci d'être passé et merci de m'avoir appelé. Et bonne soirée à toi. On menace de prendre le pion. Check. On est au cinquantième coup de la partie. Roger. Check. Je 2 D5. Il protège le pion, C4. Il avance, ses pions passés. Il considère que tour à cet échec n'est pas très grave. Il faut voir quand même le cœur bien accroché. Il a joué tour à 8. Très intéressant pour tous ceux qui auraient fait tour à cet échec sans trop trop se poser de questions. Élargissez votre horizon. Pas obligé de faire échec sous prétexte qu'on voit un échec et qu'on se dit cool, mais je fais tour échec, ça a l'air cool. Si vous faites échec, il répond ça. Et vous êtes gros gens comme devant, vous n'avez plus d'échec. Car si vous faites Dame 5, il vous prend avec sa dame. La scare ne veut pas faire nul, bien sûr. Ici, il a juste répété une fois. On nous dit tour B5 menace Dame 5. Oui, quand il a joué ce coup, il menace d'échanger les dames avec deux plus dans la finale. Dame à deux, ça a évité. Check. Check. Et 5. Tour à 8. Point d'exclamation. Je vérifie. Ok, pour l'ordi, ça se vaut. Pourquoi Parce que sur tour A7, tour B7, il dit qu'on fait tour A8. Et pour lui, ça ressemble. Ok, tour A8. Plus précis sur le principe. On menace de rentrer. Très dangereux. Si tour là, échec, obligé, échec, pique. Et peut-être de faire perpète s'il a de la chance. Sinon il perd. Probablement il perd d'ailleurs. T'auras cette puis d'un b2 marche-t-il. Comme ça tu veux dire euh... Comme ça C'est ça ta question, Thomas Il revient en défense. Il ne veut pas se prendre cet échec. Et Lasker qui se trompe. Il joue. Dame C5. Pas de bol. Car tout à l'heure, quand on a fait C4, c'était erreur. Alors qu'il a voulu pousser son pion. Et là, il ne le pousse pas, mais il fallait le pousser. Dur les échecs. Et la variante. Je vais vous la montrer après. Il devait faire C3. Maintenant, on va montrer ce qu'il y a eu dans la partie. Dame C5. Il rentre avec sa dame. Évidemment, il ne change pas les dames. Menace terrible. Tour C8. Gagne la dame. Bien joué tour B8. S'il faisait tour B7. Qu'est-ce qui se passait à votre avis? Joli coup euh, d'un B2 Thomas pour essayer de faire une sorte de clouage On croit, mais avec la tour en prise, ne marche pas. Bien joué, Lucie. Bien joué, Josso. On rentre dans la position adverse, on menace mat. Comment peut-il faire Il est dégoûté. Et quand on voit ça, qui n'a pas été joué dans la partie, il a joué tour B8, hein, mais quand on voit cette variante, et quand on voit la partie d'ailleurs, on comprend que je vous ai prévenu dès le départ, je vous ai prévenu dès le départ que. Je pas cette partie, enfin, bien sûr, je la mais. C'est le principe général. De une dame et deux tours contre une dame et deux tours. Ou une dame et une tour contre une dame et une tour. Ce principe est universel. Si un jour la dame et la tour arrivent sur un roi mal sécurisé, ça va mal se finir. Ça se finit mal. S'il fait tomber vite, comment ça se finit Check Le roi doit rester au contact de la tour, sinon la tour est perdue. Asie reste au contact. Check. Et la tour est perdue. Je regarde si l'ordinateur propose un coup de défense à Dame e6. Tour 5 bah, Il Donne la Dame. Pas de coup. Tour g8. Ah trop, moins, moins puissant du coup. Dame 6 de Schlechter est un truc des coup avec de fortes menaces. Nous dit Lucie. Ah, de toute façon, il veut s'approcher, hein. Et il n'a pas le choix. Ok, peut-être qu'un autre candidat, c'était Dame-là. Et on sent que c'est moins direct parce qu'on menace rien. Alors que Dame 6, on menace. Tour C8. Tour B8, répondu par Emmanuel Lasker. Évidemment, on garde la tour. Parce qu'on est en train d'attaquer un roi. Le roi, n'a qu'une seule case. Il prend G7. Mais ce pas pour le plaisir de prendre un pion. Déjà, sa, sa tour était instable parce qu'attaquée par la dame et il enlève la protection du pion f6, donc il menace d'un prend f6. Un prend f6, si c'est pas pour le plaisir de prendre un pion non plus, c'est pour faire un mat au pauvre roi. Et quand on dit la tour en septième, c'est fort, c'est pas pour rien. Et quand on attaque un roi, c'est hyper fort. La tour couvre toutes ses cases, le roi peut se prendre des escaliers, peut se prendre des baisers de la mort, peut se prendre des maths de partout. Que faire Je vais d'un b6. Il fait tour B6, check, il est coincé, et il est mat, enfin non il perd la dame, et il perd tout, dame B6, à vous de trouver le dernier coup des blancs, le dernier coup des blancs, car à joue et gagne cette partie de championnat du monde. Emmanuel Et comme le dit Josso, il fait signer Emmanuel Lasker. Il fait signer la feuille. Lucie qui propose la ligne gagnante. Bravo, Lucie. Excellent. Yaiko tour échec en G8. Quel est ton plan, Yaiko Il bouge son roi. Pascal, bien joué. Jules, dame à 4 menace mat. Ok, mais est-ce que je peux faire dame E6 en réponse? Et essayer de survivre. Attention Foupoudave, si tu joues ça, tu menaces rien, car la dame noire surveille le pion F6, dame à 1 proposé par Foupoudave. Si vous regardez en replay, vous avez l'occasion de mettre la pause pour chercher le coup gagnant. Eh, hey, bravo à Lucie et Pascal, mais pas d'autres réponses pour l'instant. Bravo Thomas Bien joué. Ok, donc du coup on a trois bonnes réponses et on peut montrer le coup décisif de cette partie. Ça met fin à la partie. Vous avez vu à quel point il cherche tout le temps l'infiltration avec sa dame et sa tour. Faire le roi, l'adversaire est là, il a trouvé une belle case d'infiltration, menace aussi d'ailleurs éventuellement d'aller sur E7 et mater en D7 derrière. Mais bon, l'escalier menace directe. L'adversaire a joué il a Roi C8 sur Dame B4 pour couvrir la Diago. C'est très bien vu de la part de Lucie qui donnait la voie en gagnant gagnante, dame A7. Maintenant, on a mis la dame et la tour sur la septième, donc il ne peut plus couvrir avec sa tour, sinon il la perd. Et on menace Matt, ou des Matt, en plusieurs coups, et on menace aussi là-bas C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il pourrait faire ça, et continue à défendre sa tour, et il défend tous les échecs de Dame. Et il y en a un autre là-bas, de la tour. Et il est Matt. de l'escalier. Qu'est-ce qui s'est passé, semble-t-il, selon la notation que j'ai Il s'est passé qu'Emmanuel skier a joué Roi C8, mais il a abandonné sans attendre la réponse de son adversaire, car elle a vu que c'était cuit. Est-ce que vous voyez Comment ça se serait fini? Ça triche, ça triche, euh, Sox. Oui, on peut le faire comme ça aussi, effectivement. Alors, Dame f Dame D8. Et bien joué. C'est très joli, d'ailleurs, ça fait plaisir. Oui, c'est pas la bonne case, euh, Romain, mais c'est la bonne réponse. Et Pascal et Fouboudave, c'est bon. Check Il est coincé, obligé de mettre la dame, et on revient. Vous avez vu tout le chemin que la dame blanche, elle a fait. Dame à 6, dame à 3, dans des vents, dame à 7. Non, c'est dame et fuite. Dame revient. Il est coincé comme un... Des épaulettes, mais bon, c'est pas encore épaulettes, mais c'est battre Et voilà pour cette victoire. Attention, on revient au moment décisif. Et vous avez vu, c'est sub, passé subreptissement Ça allait, ça allait, ça allait. Je vous mets le, le, les coups maintenant. Et puis ça s'est délité. C'est-à-dire que ici déjà, c'est avantage noir. Ah oui, je vous ai pas montré cette variante. Je vous la montre. Très importante la variante. Regardez comment l'ordinateur a trouvé que le sker devait jouer ici au lieu de faire sur C4. Il devait faire Roi D7 pour aller essayer de cacher son roi dans un abri plus sûr. Et sur Tour 7 alors on se dit, c'est pas un abri sûr. Ici, on n'a pas de cas, c'est hyper dangereux. L'ordinateur ici, si, si, vous pouvez faire Roi 6, ça passe. Vous êtes à 3,8. Mais j'ai mis quand même Roi 8, le coup principal, et un peu plus d'air pour le pauvre roi. Et on a cette pression toujours terrible sur le pion euh, E4, et on peut faire du tour à 7 éventuellement si on a peur de la 7 Il n'y a pas de dame B1, il n'y a pas de dame B4, euh, et il y a toujours ce truc qui va tomber euh, sur échec. Donc il donne tour prend G7 ici par exemple. Euh, si on essaie d'envoyer un dame A1 comme dans la partie, euh, ça n'a plus de sens en fait. On se prend, on fait reprendre ici. Si on fait ça, il y a déjà dame E1 il tombe dans la finale. Sur ça, il y a dame F4, on revient. 2. En fait, regardez, c'est incroyable. Il a mis son roi là. Il peut plus se faire toucher et il a prévu de se planquer ici en cas d'échec. Sur échec, hop, échec et ciao, bye bye et bye bye à ce roi aussi qui est mat. Roi des 7 incroyable, hein, comme coup. Roi e8. Que faire Reprends g7. Maintenant, il peut soit jouer pour l'attaque. Avec tour reprend et ça passe, mais bon le plus safe évidemment, aller vers la finale avec deux pions deux. c'est dit. Sur c4 d'Amain, il pouvait pas prendre la nulle. Alors on continue, hein. je vous montre l'ordi maintenant que vous avez vu la partie. C4, c'est toujours avantage noir selon l'ordi. Donc en fait un point d'interrogation, juste parce que roi c'était excellent, mais plutôt peut-être douteux que point d'interrogation au final. C'est un peu sévère pour l'interrogation, pour un coup qui maintient l'avantage, selon l'ordi. Dama 1, bien joué par contre. Euh, et la question était... Ouais, c'est après qu'il a un peu... Ouais, il pouvait faire nul. Du... Déjà encore Roi D7. Ici. Ok, dur. Dame prend. Voilà. Et encore Roi D7. Toujours Roi D7. Roi D7 forever. Toujours Roi 8. Et est-ce qui est fou c'est qu'il y a toujours ce dame F4 qui arrive. On n'arrive pas à fabriquer un réseau. Si on fait dame A6 comme dans la partie, on a 5 mètres quand même. Et ben lui il dit, moi bon, je couvre. Et je me couvre. En fait, il a fabriqué un nouvel abri. Il retourne dans le petit rock, quoi. Conception très dure. <laughs> il a traversé tout à l'heure pour faire aller vers le grand rock maintenant il doit retraverser là où il y a les pions qui protègent. C'est assez drôle, nous dit Fivos, parce que tu as dit tout à l'heure que Lasker jouait parfois pour pousser ses adversaires à la faute, mais cette partie illustre l'inverse. C'est Schlechter qui l'a fait. Alors non C'est pas ça qui s'est passé, Fivos, en fait. C'est Lasker qui, qui a trop poussé. Et Schlechter, bah, il avait pas de choix, il a contré, quoi. Mais c'est pas Schlechter qui a poussé Lasker à la faute, ici. C'est Lasker qui a créé tout le jeu. Et c'est lui qui pouvait soit la gagner, soit la perdre, cette partie. Il a tout fait, dans cette partie. Schlechter, il a bien joué, il a saisi sa chance. Mais... C'est pas lui qui a fait le jeu, il était dominé dans cette partie. Et Lasker était dégoûté après cette partie, parce qu'effectivement, il avait pris l'avantage. De fort belle manière. Et il s'est fait contrer, parce qu'il s'est trompé, en fait, surtout. On peut pas dire que c'est un jeu brillant de Schlechter non plus, quoi. Il a saisi sa chance, mais il a pas eu grand chose à faire dans cette partie. Il a eu surtout Damain à trouver. Le reste, était pas. Il a eu de combien de points d'exclamation Oui, tour à 8, mais bon, une fois qu'on voit tour à 7, tour B7, on comprend que c'est pas dingue. Et encore, on pouvait faire tour à tour 7 puis tour à 8. Donc tour à 8 n'est pas vraiment un point d'interrogation. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait comme point d'interrogation Il n'avait pas grand-chose à faire. Soit il tentait son attaque, soit il était cuit. Donc euh, finalement, on peut pas dire que ce soit une des meilleures parties de Car Schuster. Par contre, c'était une des plus importantes de sa carrière. C'est clair, il prend la tête en championnat du monde. Oui, il a fait A4. C'est vrai. On peut lui... À son crédit, je suis d'accord. On peut lui donner le petit A4 quand il a sacrifié son pion ici. A 4, il n'était pas obligé, il pouvait essayer de continuer à, à la jouer euh, calme. Donc ça, euh, non, c'était ici. Ici, il a envoyé à 4, il n'était pas obligé. Bon, mais il sentait qu'il commençait à se faire un peu marcher dessus, mais oui, il, était, il pouvait essayer de maintenir le, le statu quo. Ça au moins c'était quoi intéressant on va mettre clairement. Ça on peut mettre à son crédit. Vous avez retenu le deuxième sacrifice de pion qu'il aurait pu faire pour essayer d'ouvrir plus de lignes sur le roi, même si ça passait pas selon l'analyse, mais c'était intéressant à tenter. Et vous avez retenu surtout qu'on ne peut pas se relâcher quand il y a une dame et une tour en face. Notre roi. En fait, ce qui est magnifique à retenir, c'est la séquence de roi D7 aussi. Elle était où cette séquence Ici. D'aller chercher la case 8 pour comprendre qu'avec du tour 7, on va pouvoir s'abriter sur F7 ou, en cas de besoin, de foncer vers G6 et se cacher. Ça, c'était une brillante conception défensive. Ouais, le roi noir, il a marché de partout, il a traversé dans les deux sens. Il a des ampoules. Il nous dit Foupoudave. Alors, euh, on a tour à 8, dame B4. Voilà, et je vous avais dit que dame C5, c'était la dernière erreur. Ici, là, pour le coup, ça mérite un point réflexion. Il s'est pris dame a 6 et il devait. Oh, il n'est pas encore complètement cuit. En ah, si, c'est l'ordinateur qui craque un peu. Enfin, oui, il pouvait peut-être continuer le combat. C'est vrai que c'était objectivement sa meilleure chance. Donner la dame. Donner la dame. What? What? C'est égal? Waouh! Alors, c'était vraiment sa meilleure chance. Parce que la tour ne peut pas se faire choper car le roi est trop près. Et il y a le pion qui est monstrueux qui part à la promo là. C'est pas tellement le fait qu'il y en ait deux, c'est juste celui-là qui est foncé, soutenu par la tour. Il faut pas faire ça. Il faut faire tour à 7 ok ouais. mais même le sacrifice de dame donne des petites chances parce qu'il veut essayer de reproduire son dispositif mais ok c'est pas très intuitif je préfère ça et donne ça waouh c'est hyper dur à comprendre est-ce que ça passe ou pas l'attaque on sait pas il joue d4 comme si de rien n'était pourquoi pas deux? 2 check Toujours pas tour C8, dingue. Dame 6 pour jouer pour le mat. Il joue pour ce coup, pour mater. Oh, B7 pour s'échapper, un peu comme le roi D7 de tout à l'heure. Ah non, c'est pas pour s'échapper, c'est pour obtenir la dame. Ok, du coup c'est foutu parce qu'on perd le pion, c'est ça on Perd ce pion Comment on perd ce pion Check Ah comme ça Ouh Enfin, vous avez compris, mes flèches ne marchent pas, mais vous avez compris Ouh! Et s'il vient par là, il va se faire choper celui-là. What? Mince! Oh, c'est dur! Et eh, après, il peut encore zigzaguer et se choper comme ça. Ouh! C'est beau les échecs! Eh ben. Tour B8 finalement c'était erreur. Il a un peu perdu son combat, il aurait pu tenter un c. Alors C3 c'était point d'exclamation quand même. Point d'exclamation et alors surtout au coup d'avant quand il a fait dame C5. C3 et léger avantage noir. Si on refait le dame A6, il lui y a pas de problème. Tour B8 maintenant. Contrairement à la partie, Vous savez, dans la partie, il s'est pris tour A7. Et il est obligé de partir en D8, c'est prêt au G7. Même là sur ROI D8 c'est encore égal. Ah, parce que C4 ça donne le Dame 4 pour faire Perpète. Voilà. Ah, c'est un bel écho, au C4 de tout à l'heure quand il a fait C4 avec les noirs pour bloquer la tour et permettre Dame E4. Maintenant il fait C3 pour revenir Dame E4. Ah bah là c'est très dur bien sûr, là on se fait plaisir un peu avec l'ordinateur. Hein. On n'a pas fait des variantes d'ordi pendant la partie. On a essayé que ce soit le plus clair possible, le plus compréhensible possible, le plus humain possible. De temps en temps, on a allumé pour euh, vérifier des petits trucs, des petites évaluations surtout. Bon, on n'a pas commencé à jouer tous les coups de l'ordi. Mais à la fin, quand on a fini cette analyse humaine, c'est comme ça que je vous conseille de faire. Alors là, oui, vous pouvez vous faire plaisir à regarder des ventes d'ordi. Bien sûr, elles vont être en général trop dures. Niveau 3200 LO, et ce Et c'est pas grave, ça fait plaisir de les voir. Des fois, on peut apprendre des choses, découvrir des choses. Étonnantes. Donc là, il y a tour B7. Contrairement à la partie. Parce qu'il a cette dame en C5, le pauvre il pouvait pas faire tour B7, il la perdait. Et maintenant, attention, le pion il part et c'est gagnant pour les noirs. Magnifique. Et ben on a terminé, je pense. Après Tour A7, c'était fini par contre. Là c'est vraiment la fin. L'ordinateur est très énervé. Il n'y a pas de solution. Il donne la dame, mais est trop tard. Mais je me demandais ce qui se passait. Ah en plus c'est un proxy. Oui. Sur tour prend dame. Oh, prends, dame prend. Ouais. On peut la tenter, mais ses pions sont pas assez avancés, son bras est faible. En fait, le bras faible, c'est très embêtant aussi quand on a tour contre dame, par exemple. Et ben voilà, pour ce soir, il est 23h. Comment ça, il est 23h On a commencé le live à 20h30. On a passé 2h30 sur cette partie. Et ben, ça fait plaisir. Ouais, ça mérite, hein. Ça mérite. Alors, vous savez, on n'a pas fini. C'est comme euh, le grand maître suédois, Evgeny Agrest, il dit. Pour bien analyser une partie, il faut 14 heures. Bon, nous on a fait 2h30, c'est une bonne introduction. Enfin, il parle de ses propres parties. C'est dans ses propres parties, on a encore plus de choses à étudier en général, parce qu'on met tous les coups qu'on a pensé pendant la partie. Quand c'est une partie lente, on a pensé à beaucoup de choses, on hésite à jouer beaucoup de coups. Donc après, on peut passer beaucoup beaucoup de temps à étudier. Bon 14 heures, évidemment, c'est quand on est un joueur professionnel et qu'on n'a rien d'autre à faire toute la journée, toute la semaine. On a plus de temps. Mais 14 heures, c'est aussi à moitié une boutade. Mais il y a une part de vérité là-dedans. Belle partie. Et donc il prend la tête. Après cette partie Carl Schlechter. Et il va faire 4 nuls. De suite. En 6e, 7e, 8e et 9e partie. Dans son habituel style solide. Euh, je crois que ça va être super intéressant d'ailleurs. Euh, on pourrait continuer ce match. Parce que je dis dans son habituel style solide, mais en fait, il va se passer plein de choses dans, notamment, la septième partie, si je ne m'abuse, et peut-être encore une autre où s'est passé un peu des choses, mais moins que dans la septième, de mémoire, et puis après, il y aura la dixième et dernière partie du match. Et voilà, c'est intéressant pour ceux qui disent que ça commençait mou, pourtant, cette espagnole berlinoise avec les, toutes les pièces échangées, effectivement, si on prend la position après euh, cavalier D5, on était au 15e coup ici et même ici on était au 12e coup et il y avait déjà trois pièces mineures échangées et on se disait bon c'est pas fou cette position il va pas se passer grand chose et vous avez vu le combat qui a été mené mais aussi là on doit donner le crédit à M. Lasker le combattant et c'est pas pour rien qu'il est resté pendant 27 ans champion du monde d'avoir créé quelque chose à partir de pas grand chose ça s'est retourné contre lui à la fin ça fait partie du jeu mais toute euh, sa carrière, il, on va dire que 8 fois sur 10, il sortait vainqueur de ce genre d'affrontement en créant euh, du chaos, en créant des possibilités, y compris en prenant des risques et en se mettant en position mauvaise contre des adversaires redoutables et prestigieux. Alors une dernière nous dit euh, Thomas Coe, mais on va en rester là. Déjà 2 et demie de live, j'ai pas vu le temps passer, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. J'avais dit en plus en introduction qu'il nous fallait entre 45 minutes et 1 heure et quart pour analyser une partie. Bon là, on est tombé sur une partie de championnat du monde. C'est plus costaud. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien Tipeee dans la description. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Et je vais mettre mon alarme samedi prochain sur le coup de 19h30 pour préparer le live de 20h en espérant que vous soyez nombreux au rendez-vous et j'essaierai cette fois de faire une double diffusion si j'arrive à la paramétrer entre YouTube que pour l'instant je vais de toute façon maintenir car tout le monde a l'habitude et Twitch pour ceux qui préfèrent suivre sur Twitch. Merci Romain, merci Omega, merci Jules, merci Josox, merci Sofiane, merci à tous. Merci Lucie, c'était cool que tu sois là. Merci aux fidèles, merci à Samir aussi qui est parti, mais qui m'a téléphoné, il m'a dit mais Sylvain, euh, je suis en train d'attendre le live là, euh, je te vois pas arriver. Merci Fevos, c'était cool de passer aussi. Merci Arnaud pour le commentaire et j'espère que vous serez nombreux à revenir samedi prochain pour d'autres parties classiques. Sur le coup de 20h, mercredi, c'est pour jouer, pour le coup, sur le coup de 20h également, mercredi 20h. Euh, un live pour jouer des parties en 15 plus 10 ou même en 30 plus 20. Je reviens ici. Je vous dis à tous une très bonne fin de week-end et à la prochaine. Ciao, ciao